Bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au musée pour ce troisième rendez-vous dans le cadre des ateliers art et transition écologique. Ateliers qui ont débuté au mois de décembre et qui vont encore se dérouler au moins jusqu'au mois de mars. On est en train de regarder pour programmer d'autres rendez-vous sur avril et mai. La thématique d'aujourd'hui est une thématique, après la biodiversité, qui est une thématique importante aussi pour le musée, qui est la question de la mobilité. C'est une question importante et intéressante concernant en tout cas le LAM, puisqu'on est dans. Vous rappelez quelques éléments d'information. Le musée est sur le territoire de la deuxième métropole française en termes de densité de population. Et nous sommes situés sur le bassin est de la métropole, sur un axe de communication important entre Paris et la Belgique. Donc c'était une thématique qui nous semblait particulièrement intéressante aujourd'hui à traiter dans ce cadre. Et puis une métropole transfrontalière, comme, qui là aussi... interroge sur la question de la circulation entre le nord de l'Europe et la France. Alors, c'est une problématique qu'on va aborder aujourd'hui avec différents invités. Je remercie, avant de commencer et leur laisser la parole, les partenaires de ces rendez-vous, API Restauration et Mobivia, qui nous accompagnent sur ces réflexions. Le relais, les partenaires relais, que sont la CCI et le réseau Alliance, réseau Alliance qui sera représenté aujourd'hui par Lucille Jansoun, qui viendra vous parler des problématiques de mobilité au sein du réseau. Nous allons donc commencer avec une présentation en visioconférence d'un projet qui est actuellement mené par Luther Kenom, qui travaille. Qui est designer et qui est aujourd'hui designer des politiques publiques au sein de la métropole européenne de Lille et qui vous présentera un projet sur lequel il travaille actuellement. Nous écouterons ensuite, là aussi en visioconférence, puisqu'il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, Jérôme Bell, donc chorégraphe, sur cette question de la mobilité dans le cadre de la création artistique. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Luc Deleu, architecte et urbaniste, qui nous a rejoint. Lucille Jansoun, chef de projet RSE et mobilité durable du réseau Alliance, et qui viendra aussi nous parler de ces problématiques au sein du réseau. Et puis nous conclurons l'après-midi vers 16h30-17h avec un petit programme de films d'art contemporain que nous vous avons concocté avec Quentin et Jean-Philippe, qui sont deux étudiants de l'université qui nous accompagnent sur ce dispositif, sur ces projets. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir des films d'artistes à travers lesquels la question de la mobilité apparaît dans ces vidéos. Pour l'heure, je laisse la parole à Luther. Qui va nous parler donc des projets du projet qu'il conduit actuellement pour la métropole européenne de Lille. Merci. Merci Benoît. Merci de m'avoir invité. Je vais essayer de faire honneur à cette invitation. Je vais vous partager un petit document, si j'y arrive. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ouais, super. Alors, attendez, je vais juste calibrer un petit truc. Donc pour me présenter assez rapidement, en fait, je travaille pour du coup au sein et pour la métropole européenne de Lille. Et donc je suis designer de formation et là-bas, en tout cas ici, je m'occupe d'un petit laboratoire qu'on dit laboratoire politique publique. Voilà. Hein, et ce lab, en fait, le MEL Design Lab, comme on l'appelle désormais, on va dire un petit laboratoire, un petit atelier, laboratoire-atelier dédié aux services et aux politiques publiques, quoi. Donc c'est vraiment un lieu où on va bidouiller, réfléchir, essayer et tester des choses. De façon assez appliquée, alors je vais faire assez vite, c'est à la fois une équipe, aujourd'hui on est trois, voilà, avec des sensibilités sur le design et sur l'intelligence collective. Et puis c'est aussi un espace
de 140 mètres carrés au rez-de-chaussée du siège de la métropole européenne de Lille, à Lille. Voilà, et donc cet espace de 140 mètres carrés, en fait, il nous permet d'animer des ateliers, d'avoir des temps de rencontre, des temps de travail avec des outils matériels et physiques autour des projets. Voilà. C'est aussi une offre de service, cette équipe, enfin, en tout cas ce lab, une offre de service qui est orientée vers les directions, les différentes directions au sein de la MEL. Voilà, et cette offre de service, elle est articulée, on va dire, autour de deux compétences. D'une part, l'intelligence collective, et puis d'autre part, la compétence plutôt design. Et ces deux compétences, en fait, elles nous permettent de répondre à deux questions, on va dire. D'une part, comment est-ce qu'on collabore mieux, notamment comment est-ce qu'on fait travailler des équipes interdirection, qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Sur des thématiques qui peuvent être transverses, comme la mobilité, par exemple. Et puis, de l'autre côté, on va avoir cette question de bah, voilà, comment est-ce qu'on conduit mieux les projets? Et notre rôle, en fait, avec cette question de mieux conduire les projets, c'est surtout comment est-ce qu'on va mieux conduire les projets et y intégrer la dimension des usages, la dimension des usagers, des usagères. Comment est-ce qu'on comprend un contexte par le prisme des usages et des pratiques? Comment est-ce qu'on se saisit de cet aspect-là? Comment est-ce qu'on l'étudie? Comment est-ce qu'on le problématise? Ou comment est-ce qu'on va travailler avec ça? Et comment est-ce qu'on va faire des propositions ensuite? Voilà, donc c'est avec ça qu'on appuie en fait les différentes équipes qui représentent finalement la vingtaine de compétences de la MEL, que ce soit autour de la mobilité, autour de l'aménagement, de l'eau, de l'assainissement, des déchets, de l'habitat. Voilà, il y a tout un tas de projets et l'idée, c'est d'accompagner les équipes de projet pour qu'elles appréhendent mieux la question des usages et qu'elles puissent proposer finalement aux métropolitains, aux métropolitaines et puis de façon beaucoup plus large, aux usagers, aux usagères, bah, des expériences de qualité. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, ce qu'on fait, voilà, c'est de la conception avec de l'appui à la conduite de projet et puis de la facilitation avec de l'appui à l'animation de projet. Je vais aller assez vite là-dessus, parce que ce n'est pas la partie la plus fun. Voilà, on va aider les équipes à traduire une commande politique. Hein, quand il y a une commande politique d'un élu, on va aider les coups à aller vers la concrétisation, toujours avec cette question des usages. On va aider aussi à passer à l'action après des planifications ou après des schémas directeurs ou stratégiques. Et puis aussi ce troisième point qui est vraiment ce diagnostic des usages, quoi. Et puis le dernier point qu'on a aussi, c'est l'exploration et la prospective, toujours autour des usages, pour réfléchir autour de technologies nouvelles ou émergentes, par exemple, ou de nouveaux usages qui peuvent exister au sein de la société. Et puis sur la question de la conception, donc l'intelligence collective, là, on a toute une série, on va dire, d'ateliers qui nous permettent vraiment d'animer des temps de travail partagés et de faire travailler les gens ensemble et de les faire produire ensemble. Voilà. Le sujet dont je voulais vous parler assez rapidement, c'est celui des bords de Deûle. Alors, il n'est pas exactement mobilité, il est plutôt mobilité et biodiversité. Ce sujet, il était assez simple, hein. Il a commencé. Alors, la Deûle, j'imagine que vous connaissez, c'est une rivière canalisée, hein, qui borde un certain nombre de communes de la métropole lilloise. Et donc voilà, aujourd'hui il y a pas mal de friches autour de ce canal. Et puis il y a des zones qui commencent à être bien construites et bien pratiquées. Et puis il y a surtout des voies de circulation. Voilà. Et évidemment, de nuit, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on va éclairer finalement ces bords de Deûle. Le démarrage du projet, il était autour de plutôt voilà comment est-ce qu'on va fédérer et élaborer une vision commune des bords de Deûle, en vue de préserver la biodiversité. Comment est-ce qu'on va faire dialoguer différents acteurs autour ben voilà, d'une vision de ces bords de la Deûle. Et finalement, le sujet s'est resserré autour d'une thématique beaucoup plus précise, qui était ben, comment éclairer les bords de la Deûle pour respecter le bien-être des usagers et la biodiversité. Alors, la question de l'éclairage, elle est importante parce qu'en fait, voilà, hein, les bords de la Deûle sont éclairés et comme je le disais, c'est aussi des voies de passage. Et en fait, il y a un point de tension qui est qu'on a finalement besoin d'une part
d'avoir des éclairages de qualité pour les gens qui circulent, à pied, à vélo, et que ça reste une voie utilisée par les gens. Mais dans le même temps, en fait, cette question de la lumière, en fait, elle perturbe profondément la faune et puis probablement aussi la flore, parce qu'on a du coup des espèces ou aquatiques ou même des chauves-souris, par exemple, qui vont avoir des comportements différents, des façons de s'alimenter qui vont être différentes ou dégradées même à cause de l'éclairage qu'on va avoir sur les bords de l'Adeul. En gros, on va avoir d'un côté, par exemple, je ne sais pas, des chauves-souris qui vont venir graviter, enfin plutôt éviter, pardon, les zones lumineuses. Et donc, du coup, cette Deule va devenir un rempart et c'est un problème pour la circulation de ces espèces. Et puis de l'autre côté, on va avoir d'autres espèces, plutôt d'insectes, qui vont vraiment venir graviter autour des luminaires jusqu'à épuisement et puis mourir. Et on le sait aujourd'hui en Europe, on a un vrai problème quand même avec l'effondrement de la biodiversité, notamment sur la question des insectes. Et donc il y a vraiment un sujet autour de la façon dont on éclaire ces bords de Deule, tout en respectant et en préservant la biodiversité. Donc voilà, on le voit, hein, là on voit des gens qui se déplacent à vélo, donc on voit que c'est vraiment une voie de circulation, et on connaît aujourd'hui les contraintes qu'on peut avoir, notamment quand on circule à vélo. C'est très important de pouvoir voir l'état de la chaussée de façon à circuler enfin, de manière sereine, quoi. Et donc toute la problématique autour de ce projet-là, ça a été de voir comment est-ce qu'on allait combiner ces deux contraintes. Et de façon un peu plus large, ce qui a été intéressant sur ce projet, c'était aussi d'essayer de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir faire dialoguer finalement des acteurs qui ne dialoguent pas toujours ensemble. Ça peut être plusieurs villes d'une part, ça peut être des collectifs d'usagers avec des services techniques aussi des villes sur cette question de l'éclairage, quoi. Il y avait une doctrine finalement, une doctrine qui commence à être un peu datée. Et dont on fait les frais aujourd'hui, qui consiste en fait à essayer d'éclairer au maximum pour essayer d'y voir comme en plein jour, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça pose un certain nombre de problèmes environnementaux, même en matière de consommation d'énergie. Et puis de façon plus largement, enfin plus large, pardon, c'est vraiment la question de la pollution lumineuse, quoi. Et donc finalement, ce qui a été imaginé sur ce projet, c'est un dispositif, on va dire, de sensibilisation et de dialogue, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que finalement, la première étape pour régler le problème, c'est de réussir à l'exprimer, à le faire comprendre par toutes les parties qui sont réunies autour du projet. Je le disais tout à l'heure, à la fois les usagers, usagères, que ce soit des piétons, des cyclistes, mais aussi les services techniques des communes, hein, qui pour certains sont encore dans cette ancienne doctrine d'éclairer au maximum. Et donc de réussir à faire dialoguer toutes ces personnes-là autour du projet, leur permettre d'avoir une vision partagée du problème. Et donc ce dispositif qu'on a envisagé, donc qui permettait à la fois finalement de bien comprendre le problème, première étape, ensuite d'engager vraiment la discussion et petit à petit de commencer à cheminer vers une résolution de problème ou du moins des propositions à expérimenter. Alors dans le cas précis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclairage public, il n'est pas nécessairement de la compétence de la métropole, je crois qu'il est de la compétence des communes. Par contre, le point d'entrée, c'est qu'en fait, à travers un certain nombre de plans qui ont été votés à la métropole, la biodiversité, la préservation de la biodiversité font partie des compétences de la métropole. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on est rentré dans ce projet et qu'on arrive sur un sujet qui est finalement peut-être un sujet de commune d'un point de vue matériel, quoi. Donc le dispositif qui a été envisagé, c'est finalement une reproduction des bords de la Deule pour montrer finalement quel est d'abord le problème, comme je le disais tout à l'heure. Donc on va voir avec voilà, ce genre de maquette de grande échelle ce qui se passe quand on a une lumière assez classique, blanche, sans orientation. Et on va voir finalement qu'on éclaire autant finalement la Deule elle-même que les voies de passage, quoi. Et donc le dispositif, il permettait aussi finalement de tester, de montrer aussi des alternatives et de voir en quelque sorte comment est-ce qu'elle se comportait et comment est-ce qu'elle permettait finalement de répondre à un usage d'éclairage, de sécurisation de ces voies de passage et de ces berges de la Deule,
tout en préservant finalement les différents espaces qui sont autour, quoi. Et donc voilà, donc on a eu ces kits là qui ont tourné entre différentes communes et qui ont permis donc effectivement de à la fois montrer le problème de façon assez concrète et petit à petit aussi donc d'engager la discussion et de faire des essais avec des modèles réduits de façon à réfléchir à la fois au type de lumière qu'on souhaitait. Donc le choix s'est porté sur une lumière plutôt rouge, qui est une lumière moins éblouissante avec un spectre beaucoup plus réduit qu'une lumière blanche, avec aussi des têtes d'éclairage qui sont plus orientées. Et donc ça a permis effectivement de montrer ces premières pistes de solution et d'avoir peut-être une forme de on va dire de convergence de différentes parties qui à la base soit discutaient pas nécessairement ensemble ou quand c'est arrivé se comprenaient pas non plus sur un certain nombre d'aspects du problème. Et donc là, je pense qu'on a réussi effectivement à avoir des bons échanges en prenant en compte à la fois effectivement ces problématiques de circulation et de sécurité, en tout cas de sentiment de sécurité, et puis ces problématiques de préservation de la biodiversité. Et donc ce kit aujourd'hui, je crois qu'il y en a deux, je crois, deux ou trois qui circulent dans des grosses caisses et qui sont utilisés du coup dans les différentes communes. Voilà. Et donc le résultat, en tout cas, qui est envisagé, c'est plutôt d'avoir ce type d'éclairage localisé, orienté, qui permet du coup de préserver, on le voit, les différents espaces et de vraiment focaliser sur les espaces et les voies sur lesquelles on a besoin d'être éclairé. Voilà. Donc si vous avez des questions, je peux tout à fait y répondre. Merci Luther pour ce projet qui est intéressant dans le cadre de nos journées puisqu'il fait le lien et la transition entre la thématique de la biodiversité qui était traitée lors du dernier rendez-vous le mois dernier et la thématique que nous ouvrons aujourd'hui sur la question de la mobilité. Justement, c'est ce qui était intéressant puisque ça permet de montrer de quelle manière aussi les questions de la transition et du développement durable sont imbriquées les unes avec les autres. Et que une réflexion sur la préservation de la biodiversité, sur le sujet de l'éclairage public, voilà, pose des problématiques sur différents aspects de ces problèmes. Est-ce qu'il y a peut-être une question dans la salle? Oui. Alors je vous demanderai pour les questions de bien parler dans le micro pour que les intervenants vous entendent. Ce que vous venez de nous présenter, là, les lampadaires avec, par exemple, la lumière rouge, en fait, qui semble parfaitement adaptée à la problématique, est-ce que ça pourrait être installé et développé partout ailleurs, notamment ici, autour du lac du Héron, où la problématique est existante, en fait? Merci. Bah, effectivement, moi j'ai envie de vous répondre que oui, ça peut être développé. La limite qu'on a eue, nous, sur ce projet-là, comme je vous le disais, c'est que la question de l'éclairage, ce n'est pas directement la compétence de la métropole. Par contre, ce qui était intéressant là, c'était de pouvoir sensibiliser à travers l'échange et avec ce type de dispositif des services techniques de différentes communes et de commencer en fait à leur suggérer des solutions, des pistes de solutions ou de réflexions pour les futurs aménagements d'éclairage et les futures installations d'éclairage. Donc il y a un certain nombre de communes, je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui ont été sensibilisées sur ce sujet-là. Et là, nous, ce qu'on espère et ce qu'on attend, c'est effectivement que pour les prochains marchés éclairage public, ces contraintes de biodiversité de circulation soient prises en compte, notamment parce que désormais, les services en question ont une visibilité sur le type de solution qui peut combiner ces deux types de contraintes-là. Donc on peut effectivement s'attendre dans les prochaines années à avoir une mise en application assez concrète de ces dispositifs-là sur les berges de l'Adeul ou effectivement aux abords de d'autres plans d'eau, quoi. Et puis pour rebondir sur ce que vous dites, Luther, et par rapport à cette question, plus précisément par rapport au site où nous sommes, le musée, hein, le lac du Héron, etc. Juste vous rappeler, on a eu l'occasion lors du premier rendez-vous en décembre autour de la biodiversité d'avoir une intervention d'Étienne Fortin, qui est responsable
de l'espace naturel métropolitain sur la zone du lac du Héron. Et en fait, la volonté au niveau espace naturel métropolitain sur cette zone, c'est d'essayer un maximum de conserver ce qu'on appelle la trame noire, c'est-à-dire une zone sans pollution lumineuse, puisque la métropole lilloise est très impactée par la pollution lumineuse. Et donc, on essaie de se situer dans une zone où on n'apporte pas de lumière, justement, de lumière artificielle qui sont perturbantes pour la faune et la flore. Et donc, il y a des espèces de poches comme ça autour de la métropole qui se construisent. Et avec cette volonté aussi d'avoir une trame qui s'inscrit jusque sur la Belgique. Je reprécise aussi pour les personnes qui n'étaient pas là lors de ce rendez-vous qu'en plus on est sur des routes migratoires pour les animaux et notamment les oiseaux qui s'arrêtent au niveau du lac du Héron. Et donc voilà, c'est une des problématiques qui en effet se pose en même temps quand on est promeneur autour du lac du Héron dans le parc urbain. Le soir, pour l'avoir fait pour rejoindre le pont de bois à pied, c'est parfois complexe. Je vous remercie beaucoup, Luther, pour cette présentation très intéressante de ce projet qu'on ne manquera pas de suivre aussi, nous, de notre côté, puisque ce sont des sujets qui nous intéressent. Et puis, bien, je vous souhaite une bonne après-midi. Je crois que vous avez d'autres rendez-vous qui vous attendent. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, nous allons passer à notre intervenant suivant. Alors, Jérôme, je vais enlever mon masque. Vous allez me voir en tout petit parce que la caméra ne nous permet pas d'avoir les deux choses. Voilà, je vous présente donc Jérôme Bell qui a accepté d'intervenir dans le cadre de cette journée sur la question de la mobilité. Alors, on va fonctionner sous la forme d'une petite interview. On a préparé ensemble le sujet. Je vais d'abord dire quelques mots donc, pour vous présenter Jérôme Bell, que je suis sûr vous connaissez tous. Donc, Jérôme qui est chorégraphe, qui, depuis ses premières pièces, développe différentes réflexions et qui porte un regard critique et politique sur la relation de la danse avec le corps, la question des individus qui la font, et la question de la crise du sujet dans la société contemporaine. Et pour cela, il met en œuvre des moyens qui permettent une émancipation par l'art, à travers des questions sur l'économie de la scène et de l'institution scénique. On retrouve cela dans des projets comme Nom donné par l'auteur, Jérôme Bell ou Chirtologie. Vous avez aussi développé une critique formelle et institutionnelle de la danse par le discours, hein, puisque la question de la parole a été très présente dans vos projets. Vous avez abordé la question de l'interprète comme individu particulier à travers une série de portraits, notamment de danseurs comme Véronique Doineau, Cédric Andrieux, Xiao Qi. Vous êtes régulièrement invité, c'est un des aspects aussi qui nous intéressait et qui est la raison de cette invitation, régulièrement invité dans des biennales d'art contemporain et des institutions muséales, où vous présentez des performances ou des films. D'ailleurs, le film Véronique Doineau et Chirtologie sont dans les collections du MNAM, le Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou. En 2013, vous avez co-signé avec Boris Charmat, donc qu'on connaît à Lille, puisqu'il était jusqu'à sa nomination à Wuppertal, il était en artiste résident à l'Opéra de Lille. Vous avez co-signé un livre qui s'appelle Email 2019-2010, que vous trouvez aux Presses du Réel, dans lequel vous partagez les conceptions et les références qui fondent vos deux travaux respectifs. Vous avez reçu en 2008, avec le danseur Pichet Klunchun, alors vous m'excuserez si je le prononce mal, le prix Route... Pardon. Non, il n'y a aucun problème. Le prix Route Princesse Marguerite pour la diversité culturelle, pour le spectacle Pichet Klunchun and Myself.
Et en 2019, vous avez décidé, pour des raisons environnementales, avec votre compagnie, de ne plus utiliser l'avion pour vos déplacements. Et vous avez, c'est avec ce nouveau paradigme que vous avez créé vos derniers spectacles, notamment Laura Pente, Danse pour Wong Kang-shen, et vos futures créations. Qu'est-ce qui vous a poussé en 2019 quel a été l'élément déclencheur de cette prise de décision? Voilà, il y a eu un élément très très précis, un peu ridicule, qui était, c'était en février, donc ça va faire 3 ans. Et j'étais dans mon appartement et à Paris et j'essayais de réduire le chauffage pour la nuit en regardant les prévisions météo et tout ça pour faire des économies comme ça d'énergie. Et à ce moment-là, je me suis souvenu que il y avait deux de mes assistants qui étaient dans un avion en train de revenir de Hong Kong cette nuit-là, et deux autres qui étaient en train de partir à Lima pour remonter à un autre spectacle. Et là, ça a été c'était une sorte d'effondrement, ce qu'on appelle maintenant pas dysfonctionnement mais cognitif, là je ne me rappelle plus comment faire, vous le savez, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus, quoi, qui était plus ordonné, et donc je suis tombé dans une dépression et au bout d'un mois j'ai décidé qu'on ne prenait plus l'avion, parce que dans ma compagnie c'était principalement ça le problème, puisque j'utilise très peu pratiquement pas de décor ni de costume, donc on n'avait pas ce problème là nous, mais évidemment en réfléchissant ça vient quand même d'un travail, enfin pas d'un travail, d'une espèce d'expérience du monde, d'un type qui lit les journaux, qui dit tiens on pourrait faire ceci, et puis qui habite dans un appartement à Paris qui est au 6e étage et qui a eu 3 canicules ces dernières années et que c'était invivable, et c'est des petites choses comme ça, enfin des discussions avec des amis, des articles de journaux, et voilà. Mais il y a eu ce moment de cristallisation comme ça, de quelque chose qui est devenu tout d'un coup insupportable, quoi. Et que je ne pouvais plus, en tout cas que je ne voulais plus que mon travail, qui est, comme vous l'avez dit, si joliment émancipateur, etc., etc., produise à longue échéance une aliénation, violence terrible. Voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà, en quelques mots. D'accord, merci. Et cette décision, une fois prise, j'imagine que vous avez eu l'occasion de la partager avec vos équipes, d'en discuter. Comment c'est partagé cette décision? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes dans les équipes à lever, des personnes à rassurer? Oui, non, ça a été très compliqué, puisque... c'était un choc parce que personne ne fait ça, personne n'était préparé à ça. Donc mes collaborateurs et collaboratrices au début ont freiné en disant c'est pas possible. Et en fait, quand même, moi je pouvais plus. Donc je pouvais plus. Or, c'est mon travail qui produit notre activité. Je pense qu'ils ont quand même réfléchi beaucoup en se disant est-ce que quand même on va pas essayer plutôt. Et je leur ai dit vous pouvez démissionner évidemment. Et moi-même je pensais que mon travail, puisque ma reconnaissance est principalement internationale et mon économie repose sur les tournées à l'international. Et je savais moi-même que je mettais en péril la visibilité de mon travail et même mon travail tout court, mais il n'y avait pas, je ne pouvais pas négocier ça.
Et petit à petit, ils se sont pas retournés parce que c'était quand même, c'est des gens quand même intelligents et engagés politiquement qui, petit à petit, ont pris la chose en route. Et maintenant, pratiquement, même les collaborateurs les plus éloignés, italiens qui vivent en Italie, au sud de l'Italie, je me suis aperçu qu'ils prenaient le train maintenant pour aller voir leur famille et des choses comme ça. Ou en tout cas, ou alors peut-être ils ne me disent pas qu'ils prennent l'avion. Ça aussi, il y a beaucoup maintenant, tout le monde fait très attention de ne pas me dire qu'ils prennent l'avion, c'est une autre chose. Ils me cachent leur voyage. Certains amis qui ont pas, enfin évidemment, qui continuent. Et bon, ce qui est le plus intéressant, enfin intéressant, c'est que 3 ans après, j'ai en fait beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail parce que ce qui s'est passé entre-temps en 2020, il s'est passé une chose qui s'est appelée le Covid, la Covid plutôt. Et donc quand les frontières se sont fermées et que les festivals ont dû être à travers le monde, ne pouvaient plus faire venir leurs artistes extra-locaux, enfin internationaux, et qu'ils avaient l'argent pour ça, ils avaient les théâtres, il y avait le public dans certains pays parce que ça a changé pendant tous ces mois. Et l'Asie s'en sortait mieux, et j'ai eu plein d'appels de curators à travers dans cette région là-bas qui m'ont appelé en disant, mais est-ce qu'on sait que tu voyages plus, est-ce que tu peux nous faire une pièce? Et donc moi j'ai beaucoup travaillé pendant la période Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il s'est passé une chose, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, mais quand j'ai décidé de plus voyager, j'étais en train de travailler sur une pièce qui s'appelle Isadora Duncan, avec une danseuse à Paris qui a interprété les danses d'Isadora Duncan. Et j'étais en travaillant sur ça, et je me suis dit, mais c'est affreux de faire un spectacle sur Isadora Duncan et de ne pas jouer aux États-Unis, puisqu'elle vient, elle est la. Si vous voulez, dans l'histoire de la modernité en danse, il y en a trois. Il y a une américaine qui commence avec Isadora Duncan au début du 20e siècle. Une en Allemagne, pareil avec Rudolf von Laban, et une au Japon qui commence plus tard. Et il me semblait qu'il fallait absolument jouer aux États-Unis, mais bon, comme j'avais pris la décision, on ne pouvait pas. Et c'est à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, je vais faire cette même pièce que je suis en train de répéter à Paris dans le studio, dans le théâtre, à New York, avec une danseuse américaine, une New-Yorkaise, fantastique danseuse, et on a répété comme vous et moi là aujourd'hui, en visioconférence. Et de là, une des critiques de danse du New York Times s'est aperçue qui avait ce programme, et dans le programme, il était écrit que je ne venais pas et qu'on répétait par visioconférence. Et elle a fait un article, elle lui a demandé une interview pour demander qu'est-ce que c'était que cette chose-là, quoi, que si j'allais pas venir à New York et que c'était très étrange pour elle. Et la danse. Le travail de la danse, le travail des corps et tout ça, les gens ont vraiment du mal à comprendre que ça puisse se passer sans corps, justement, hein, qu'avec une image. Et ils ont une certaine manière, ils ont raison. Ce n'est pas facile. Il faut travailler différemment. Et elle a fait cette interview qui a eu un retentissement incroyable, parce que j'ai l'impression que tous les journalistes lisent le New York Times, puisque après cet article, j'ai eu. Tous les autres journalistes de danse, enfin, pas tous, mais beaucoup dans le monde, ont voulu faire des interviews. Et ensuite, je suis devenu le chorégraphe écologiste, et donc je suis passé comment on appelle ça, des pages culture aux pages sociales et planète, comment on dit. Tout ça, je voulais juste vous dire que j'étais prêt à arrêter mon travail, j'étais prêt à. Je ne savais pas très bien à quoi j'étais prêt, en tout cas, je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. En tout cas,
à me retirer peut-être, je sais pas, à la campagne, dans une communauté, et agir comme un militant, un activiste. Et finalement, et c'est peut-être pour ça que je suis là, vous avez entendu parler de moi d'ailleurs, il y a eu je suis devenu une sorte de symbole dans le champ chorégraphique, hein, j'entends, de prendre un peu des responsabilités, de prendre mes responsabilités, je dirais. Et tout ça pour dire, enfin, voilà, que je travaille plus et que je reste encore plus chorégraphe, finalement. Alors que je m'étais dit que j'allais finir. Bon, moi, ce que j'ai appris, puisqu'on est dans un musée, moi, ce que j'ai appris de l'histoire de l'art, une des principales leçons de l'histoire de l'art moderne, c'est celui qui m'intéresse, c'est quand même la possibilité de création et de changer les codes, de remettre, de faire table rase et recommencer sur. Donc moi, je me suis, enfin, j'avais aussi cette pensée que, cette intuition que ça pourrait être intéressant de travailler comme ça. Hein, là, on est à discuter ensemble. Donc, je suis à Dresde, en Allemagne, et j'ai un spectacle ce soir, et on peut quand même parler. Ça m'intéressait d'entendre toute cette question sur l'éclairage là au bord de. J'ai beaucoup aimé cette chose de zone noire dont vous parliez, qui m'a semblé très très belle image. La trame noire. La trame noire, oui, c'est encore mieux. La trame noire, Il y a exactement. la trame noire, la trame verte et la trame bleue. Ah bon? Oui. Bon, je vais regarder ça un peu plus près. Voilà, qui permet une sorte d'enrichissement, quoi, enfin, de nouvelles possibilités de nouveaux rapports au monde et d'existence. Et voilà, je ne sais plus. Je sais pas si je suis allé là où vous vouliez, mais. Alors, on vous connaît évidemment pour votre création avant votre engagement, heureusement. C'est vrai que cette question était une des questions qui nous a incité à vous inviter parce que bon, c'est un sujet intéressant aussi, et vous l'avez exprimé sur la manière dont ça transforme nos modes de travail, nos modes de production, notamment dans le domaine chorégraphique. Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'est-à-dire comment la création s'en trouve transformée intrinsèquement par ces nouvelles pratiques. Et je pense, alors évidemment, il faut changer son fusil d'épaule, mais je crois profondément à la transformation. Je n'ai pas peur de la transformation, je n'ai pas peur des changements, je n'ai pas peur de m'adapter. C'est ça qui m'amuse dans l'art contemporain que je pratique. Mais ce que je disais aussi beaucoup, alors, je fais énormément d'interviews, comme je disais, et donc je commence à avoir des sortes de. Je dis, ben, je parle à mes condisciples, je dis, mais on fait de l'art contemporain. Hein. Contemporain, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas se cacher les yeux sur ce qu'il y a de plus contemporain qui est cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Hein. C'est aberrant. Donc, il faut le prendre en compte. Et moi, d'ailleurs, je ne vois. Ça, c'est aussi une nouvelle. Récemment, j'ai fait cette expérience. J'ai des vers maintenant d'écologie sur quand je visite un musée ou quand je vais voir un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau paradigme qui entre en compte dans l'expérience esthétique que je vais faire face à l'art. S'il y a trop de costumes et trop de décors, je commence à y réfléchir, mais ça va pas, dadada. Là, il y a une expo sur le romantisme à Dresde, donc je suis allé voir ça hier, et c'était assez merveilleux tout d'un coup, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, mais là, tout d'un coup, je me disais, ah, les Caspar David Friedrich, tout ça,
Regardez ça, parce qu'il y en a plein ici. Ah, voilà, ça me semble de nouveau, oui, excitant, quoi, stimulant. Alors, dans la présentation que je faisais, j'évoquais le fait que vous avez fait un gros travail autour de la question de l'interprète et de l'individu, notamment à travers les séries de portraits que vous avez réalisées. Est-ce que finalement, de travailler comme ça, sur cette notion d'individu, j'ai envie de dire d'individu à individu, est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui a rendu finalement plus facile le réinvestissement dans la production et dans les créations. De sortir du format pièce collective, par exemple. Ah, les pièces de groupe, Oui. c'est ça? Oui. Non, je crois pas. Je pense pas que c'était. Alors, c'est sûr que c'est vraiment plus facile de travailler en visio avec un seul ou une seule danseuse qu'avec 20. Avec 20, je vois rien. En gros, je vois rien quand j'ai 20 personnes, alors quand j'ai une personne. Donc ça, c'est vrai que c'est. Enfin, si. D'ailleurs, j'ai toutes les pièces que j'ai faites récemment en visio étaient des pièces de ce qu'on appelle des formes solo. Ça, c'est vrai. Mais là, je travaille une pièce de groupe. Bon, voilà, j'expérimente petit à petit ce médium. Enfin, là, je voudrais même plus les rencontrer. Je voudrais même plus rencontrer les gens. Parce que c'est. Mais bon. Enfin, en tout cas, pour que ça soit compréhensible, la situation stimule ma créativité. Pour le dire vite fait, enfin, c'est pas que j'aime, parce que j'adorerais aller à New York, j'adorerais aller n'importe où dans le monde comme ça. Voilà, je peux plus le faire. Je voyage en train, là, donc je mets en train à Dresde et je vais ensuite à Berlin et c'est tout à c'est absolument. Enfin, maintenant, j'ai l'habitude et c'est très très agréable. Même quand on arrive après 8 heures de train, je dis, ah mince, 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 on est déjà là. Bon, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Je me préparais très bien pour voyager. Ça, c'est ouais, c'est quelque chose. Enfin, bref, tous ces détails-là sont un peu. Ça, c'est le problème de la visio. Je parle un peu tout seul. Je vous vois pas. Je me parle à moi-même. voilà, enfin, y a plusieurs choses comme ça, plusieurs Alors, paramètres qui changent le rapport aux autres, on va dire. justement, sur cette question du changement du rapport aux autres, qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour les danseurs avec lesquels vous travaillez, sur la perception de la mobilité des corps? Comment on fait quand on est face à un écran, une image deux dimensions? Qui parfois manque de profondeur. Ça, c'est le gros problème. Ça, c'est le gros problème, j'imagine. Ah, c'est l'espace. C'est le problème principal, c'est l'espace. Je ne le sens pas du tout. Mais je suis dans un théâtre et tout ça, donc je connais bien le théâtre, ça fait quand même 30 ans que je suis là-dedans. Et je ne sais pas où est la personne dans le. Je ne sens pas très bien où est la personne dans l'espace. Ça, c'est vrai. Donc, ce que ça produit, c'est qu'il faut moins travailler sur l'espace. En fait, ce que ça produit globalement, et ce qui est à mon avis une bonne chose, en tout cas pour moi et pour la politique de l'art que je pratique, ça demande plus de confiance et plus de collaboration. C'est-à-dire qu'à un moment, j'arrête d'être le. Je dois laisser tomber ma maîtrise. Et ça me réjouit. Politiquement, évidemment. Ça me réjouit que la chose soit affectée, altérée par les autres. Et donc, ça me fait penser complètement différemment les spectacles en eux-mêmes. Quoi, penser ça avant. Voilà, c'est le prix à payer.
mais je ne le trouve pas si cher que ça. L'aspect collaboratif qui survient avec des gens. Là, je viens de faire un spectacle au Centre Pompidou à Shanghai, qui était une commande. Je l'ai jamais vu, jamais allé à Shanghai. On a fait une pièce qui est en train de, là, qui va commencer à être vue. Et ça a été merveilleux. Bon, ça a été merveilleux aussi parce que, ouais, on l'a fait pendant les confinements. Donc, tout le monde était déprimé chez soi tout seul. Et moi, j'arrivais à travailler. Enfin, on arrivait à travailler. Elle en confinement en Chine et moi en confinement à Paris, à Shanghai. C'est vrai que ça a été finalement très chaleureux. Alors que, c'est dit comme ça. Il y a eu quelque chose de. Mais bon, c'était la situation aussi. Hein. C'est la situation qui était effrayante. On se demandait comment. Qu'est-ce qui allait se passer, mais comme tout le monde. D'accord. Si vous voulez bien, je vais voir s'il y a quelques questions Oui. dans la salle. Est-ce que vous souhaitez faire une remarque ou poser une question à Jérôme Bell? Non. En attendant que les questions apparaissent un peu, moi j'en avais une en plus. Les danseurs avec lesquels vous travaillez dans ce genre de dispositif, est-ce que le parce que finalement le travail en visio leur permet de se voir aussi, j'imagine, parce que c'est en fait un système d'échange d'images vidéo. Est-ce que ça change aussi dans la pratique leur propre perception qu'ils ont d'eux-mêmes, le fait de se voir travailler à travers la visio? Ah, je sais pas. On n'a pas encore parlé de ça. Je ne sais pas. Moi, ce que. Par exemple, donc, la pièce chinoise, je l'appelle comme ça parce que donc, Xiaoke, je l'ai fait pour qu'elle la fasse en mandarin à Shanghai et elle tourne maintenant en Chine. Elle est sur scène, sur le plateau. Or, j'ai trouvé très intéressant ce qui s'était passé avec elle et je me suis dit, j'ai proposé au Centre Pompidou de faire un aller-retour au spectacle. C'est-à-dire que le spectacle consiste en ce dispositif-là dans lequel nous sommes, où moi, je suis une danseuse chinoise et je danse pour vous des choses. Et si vous voulez, bon, moi je suis comme vous, Benoît, je suis présent sur scène. Et je traduis, je contextualise ce qui se passe sur l'écran derrière. Et ce qui était intéressant, c'était que l'ontologie du théâtre, c'est le ici et maintenant. Or là, il y avait un problème ontologique puisqu'elle n'était plus ici. Elle était cependant maintenant. Et en plus, il était 3 heures du matin à Shanghai quand elle jouait. Elle était maintenant, mais pas ici. Et donc, ma question c'était, est-ce que c'est toujours du théâtre? Ah! Je l'ai perdu. Non. Est-ce que c'est du théâtre? Vous nous entendez? Vous m'entendez, moi je. Oui, Ah! on vous entend. Vous êtes là? Oui. Ok. Et donc, elle a effectivement, elle demandait des choses pendant un spectacle étonnant, puisqu'elle demandait à ce que, par exemple, la vidéo qu'elle avait en face d'elle, elle n'arrêtait pas de demander que je tourne la vidéo pour qu'elle voie le public. Parce qu'elle ne le sent pas, elle ne voyait que moi sur l'écran en train de lui dire ce qui se passait.
Et ça a été pour le public, par exemple, en plus le public du Centre Pompidou, qui est quand même un public ultra sur la réserve, assez. Voilà, en fait, c'est des animaux à sang-froid, quoi. Centre Pompidou, moi j'adore, hein, mais. Et donc là, ils faisaient tous, dès qu'elle demandait à tourner la vidéo vers le public, ils faisaient tous. On est là. Et donc, d'une certaine manière, cette séparation qui était jouée par la visio, enfin, qui était inhérente à la visio, en fait, s'est retournée à l'inverse. C'est-à-dire que le public s'est senti vu, s'est senti qu'on faisait la chose pour eux et elles, de manière assez étonnante. Le handicap s'est retourné en avantage, d'une certaine manière. Donc, et ça s'est fait comme ça, de manière empirique. On n'avait pas pensé à ça. C'est en jouant, en étant dans le théâtre, qu'elle a proposé ça. Et voilà. Et moi, je trouve ça. Je me dis, là, ça ouvre des perspectives. Je me dis, est-ce que le prochain spectacle, ça ne sera pas comme ça, à quatre images, avec un danseur à New York, un autre à Montevideo et une à Oulan-Bator. Pour imaginer d'avoir trois danseurs si spécifiques, ça peut être que. Ouais. Donc, oui, non, je réponds par l'affirmative à votre question, la perception du corps est complètement bouleversée. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, je vais prendre une question. Oui, alors justement, sur la perception du corps, maintenant il existe des hologrammes. Est-ce qu'on imagine effectivement pour les jeux vidéo ou l'animation où on met des capteurs un peu partout sur le corps et après on peut créer des personnages à partir simplement d'un squelette? Est-ce que vous imaginez un jour travailler comme ça pour avoir devant vous finalement la représentation de cette personne même qui est à distance? Et puis j'irai même plus loin, maintenant on va avoir des systèmes haptiques. On va pouvoir, enfin, toucher en quelque sorte, parce que ça, c'est des sujets sur lesquels vous pensez travailler. Oui, absolument. Absolument, je vois bien. Enfin, je le savais, la recherche artistique, elle est liée aux inventions technologiques. Enfin, je ne pourrais pas faire ça sans la visio et, comme vous dites, ces autres médiums. Ça me semble très intéressant, hein. Je ne veux pas porter de jugement, donc je dis intéressant. En tout cas, essayer. En tout cas, moi, je n'y résisterai pas. Si je peux le faire, je tenterai, bien sûr. Ça a l'air très, très excitant. Je vous pose une dernière question, et puis Ça marche? Oui. D'accord. Bonjour. Bon, je vais avouer que je connais pas bien votre travail, bon, Il n'y a aucun problème. mais que je vais forcément m'y intéresser maintenant. Alors, moi, je me posais un peu, bien que j'ai eu quelques idées auparavant, des éléments de réponse, mais sur la question de confiance, comment vous la voyez avec les acteurs, mais surtout, je me demandais si, par exemple, vous travaillez avec, quand vous êtes sur place, quand vous vous déplaciez, si vous avez des assistants, et comment vous déléguez un petit peu, finalement, votre conception du travail, puis dans quelle mesure, la deuxième question, ça dépendra de la réponse à la première, dans quelle mesure, finalement, la distanciation qu'il peut y avoir, ben, n'altère pas peu finalement ce fonctionnement. Je ne sais Alors, pas je vais si j'étais commencer par clair. là. Ça vraiment, si ça altère, c'est quand même incomparable d'être dans un théâtre avec les danseurs à qui je peux parler et surtout à la précision visuelle que j'ai dans le théâtre. Je peux moduler la lumière, je peux faire ça. Là, par exemple, moduler la lumière en visio, c'est impossible. Je peux rien dire sur la lumière. Maintenant, mes indications, c'est que le public puisse voir.
mais ça donne rien de l'atmosphère que je peux pas faire ça. Non, non, ça c'est vraiment pour moi balayer. Je peux plus. Donc ça a changé. Et la question, alors c'est intéressant la question des assistants parce qu'en fait c'est passé par là. Parce que un des premiers, au début de l'entretien, j'ai dit qu'il y avait eu toute cette histoire. Enfin, sur 10 ans, j'avais petit à petit évolué. Et une des premières idées que j'avais eues de réduction de l'empreinte carbone de la compagnie, c'était en 2007. Non, 2007. J'étais à Melbourne en. Non, ça fait même plus que 10 ans. J'étais à Melbourne en tournée avec la compagnie et c'était un spectacle qui s'appelait The Show Must Go On et il y avait 20 danseurs sur scène et on se met dans l'avion pour rentrer à Paris et j'ouvre je ne sais plus quel journal et il y avait un article qui disait qu'il fallait voilà, qu'il y avait un réchauffement climatique et qu'il fallait réduire de 50% chaque individu, chaque citoyen devait réduire, je sais pas, c'était 50 ou 40 et j'étais là avec tous les danseurs qui commençaient à s'endormir. Et je réfléchissais et je disais, mais il faut que moi je réduise, machin. Ah oui, comment je vais faire pour réduire? Et je dis, ben c'est très simple, il suffit que deux de ces danseurs qui avaient déjà fait plusieurs fois le tour du monde avec ce spectacle, on arrête. Et il y a seulement deux danseurs qui vont voyager et dans la ville qui les invite, vont engager des gens dans cette ville, des danseurs locaux, et vont leur. Leur transmettre la pièce c'est en 2 semaines qu'ils font ça. Donc, c'est très vite comme ça et c'est vrai, vous avez raison, il y a eu la question de la délégation, elle est là depuis un moment maintenant. Bon, moi il se trouve que ça tombait bien parce qu'à ce moment-là je suis devenu père, donc j'étais très content de rester à la maison et de m'occuper de ma fille. Bon, ça correspondu à ça aussi. Mais la question de la délégation, la question de ne plus être cette chose. En plus, dans l'art, il y a beaucoup ça. L'artiste, il est unique, etc. On ne peut pas le remplacer. Ça pose vraiment un problème. Moi, j'ai des amis là aussi, artistes. Dernièrement, j'avais avec Bouchra Khalili qui est invité. La Biennale de Dakar, et elle m'a dit, mais pourquoi j'envoie tous mes grands tableaux comme ça? Enfin, c'est des dessins. Et en fait, elle a fait un Xerox. Enfin, elle a envoyé un fichier, et ils ont imprimé à Dakar. Donc, et là, on voit toute la question de l'authenticité, tout ça, et effectivement piétinée de manière assez impressionnante. Donc, il y a quelque chose de. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ça, hein, de perdre de la maîtrise, de faire confiance, de collaborer, d'adapter dans le pays les choses. Et là, mon prochain projet, il est un peu comme ça, quoi. Pour 2 ans, j'ai encore beaucoup de travail, mais de donner des propositions et que les gens, ou qu'elles soient, puissent les choisir et prendre celles qui leur semblent plus opportunes et pertinentes. Voilà. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Mon expérience, disons. Ce sont des expériences. Le principe de ces rencontres, c'est d'avant tout de donner la parole aux artistes, aux architectes et aux autres sur ces questions, sur leurs expériences. Ça fait écho évidemment avec des problématiques que nous on rencontre au musée, hein, sur la question par exemple de la,
de la diffusion des œuvres, de leur mobilité à elles-mêmes. Est-ce qu'on envoie aujourd'hui des œuvres ou est-ce qu'on envoie des images? Justement, vous parliez de Bouchra Khalili. On va montrer un film de Bouchra tout à l'heure en fin de séance. Ah oui. qui fait partie des. Voilà, donc ça fait écho à toutes ces problématiques qu'on se pose et la question de la performance, puisqu'on travaille aussi pas mal la question de la performance au musée, donc ça fait écho aussi à la manière dont aujourd'hui on peut montrer de la performance et comment aussi c'est finalement ces nouveaux outils. Dont on ne se servait pas avant peuvent venir alimenter différemment, comme vous dites, disiez très justement, un changement et une remise en question qui produit de nouvelles choses. Absolument. Voilà. Pas avoir peur de ça. Non. Ok, les amis, merci je beaucoup. Vous laisse. Je vous en prie. Merci, Jean. Vous m'applaudissez. Mais... c'est bien peu de choses et bonne fin de... Moi, je vais aller au théâtre. Bonne là, continuation à Dresde. Ouais. Et puis... Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci. Ouais. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Alors, je vais inviter maintenant notre intervenant suivant, Luc Deleu. Je vais vous préparer un micro. Voilà, je vous invite à vous installer. Vous préférez vous mettre... OK. Donc, je vous présente donc Luc Deleu, qui est architecte urbaniste, qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette rencontre. Fondateur avec Laurette Gilmot du bureau à l'architecture Top Office, installé à Anvers. Le point de départ et la motivation de ce studio, c'est de questionner l'architecture et le design urbain avec une vision qui, moi, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, une vision qui m'a semblé intéressante dans le... par rapport à notre sujet, mais nous aussi par rapport à la manière dont on envisage aujourd'hui l'architecture, c'est de voir une position qui s'appuie sur une vision d'ensemble, une conception qui doit prendre en compte une société globale et plus largement, on y reviendra, la prise en compte de la planète Terre dans son ensemble. Le bureau Top Office a été créé avec la même conviction qu'il serait préférable de réduire l'impact spatial de la construction, de construire moins, se traduit à travers différents projets, différentes modélisations de ces propositions. Vous accordez une place importante et un intérêt important pour la question des moyens de communication qui, selon vous, permettent d'envisager différemment notre vie et notamment de poser de nouveau la question, de faire renaître la question de la vie nomade avec des projets qui privilégient la mobilité par rapport à l'immobilisme et remettre d'une certaine manière en question l'idée qu'on doit privilégier un lieu d'habitation fixe, immobile, pour notre vie quotidienne. Vous avez imaginé ainsi une perspective d'urbanisme écologique et une véritable participation des citoyens. Et ça s'est cristallisé dans différents projets depuis les années 80. Je pense au Urban Planning Manifesto. Et en 97, vous avez été rejoint dans le bureau Top Office par deux architectes urbanistes Isabelle de Smet et Steven Vandenberg, où vous avez continué donc de développer vos recherches vos concepts sur la question de l'urbanisme en particulier. On a eu l'occasion de voir, en tout cas on avait déjà eu une occasion précédemment de travailler ensemble, on avait présenté donc une maquette, vous avez développé différents projets dont la ville inadaptée
et l'urban space, qui est devenu un champ important de recherche, notamment sur la question des infrastructures. Donc je vous laisse la parole pour présenter votre travail et vos projets. Vous avez la télécommande ici pour les diapos. Merci. Bonjour. Je dois commencer à dire que mon travail, comme vous voyez, est répandu sur plus que 50 ans. Je vais essayer de le comprimer dans une demi-heure. Je commence avec avec une affiche pour ma première exposition dans une galerie, avec le titre un peu maladroit formé. Luc Deleuze dit adieu à l'architecture. C'est souvent mal interprété, mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais des problèmes avec l'attitude de l'architecture vis-à-vis la société, vis-à-vis l'espace sur la Terre. Mais en même temps, je fondais quand même un bureau d'architecture, Top Office, bien avec la Terre dans le haut de Top Office. Là, je voulais exprimer que pour moi, il y a deux échelles pour l'architecture. Et c'est d'une part l'homme, l'individu, et d'autre part la Terre, le navire spatial Terre. Je n'avais aucune idée à ce moment, quand je fondais le bureau avec Laurette, où ça allait. Je n'avais aucune idée de ça. Mais je suis commencé avec des propositions. Et malheureusement, ils sont rédigés en anglais. C'est comme ça. Une centaine de propositions qui étaient un peu humoristiques, mais d'autre part très sérieux. Ils sont formulés d'une manière qu'ils ne sont pas des slogans publicitaires. Dans une certaine chose, ils se demandent, ils s'interrogent eux-mêmes sur la proposition. Ça, c'était l'idée. J'ai développé ça pendant presque 10 ans. Et l'ensemble des propositions, pour moi, c'était de créer un cadre dans lequel je pouvais opérer comme architecte. Je ne savais pas encore comment, mais je pensais que je devais commencer à développer un cadre. Et ce que je dois dire aussi, c'est déjà pendant mes études d'architecture, j'étais beaucoup plus intéressé en urbanisme que dans l'architecture. Et à ce moment que je commençais Top Office, je pensais aussi, l'urbanisme qui est réinventé par les modernistes est peut-être plus suffisant, parce que l'idée des modernistes sur l'urbanisme, c'était de créer de l'ordre à grande échelle pour pouvoir développer du chaos et du désordre en petite échelle. Donc en fait, pour moi, créer un ordre sur grande échelle devait être utilisé pour faire moyen à un désordre qui est créé par la vie et par les individus. Et il n'y avait aucune raison pour
mettre tout dans un ordre. Maintenant, je vois que toutes les choses qu'on fait sur le plan de l'espace, parce que ça, je dois dire aussi, je suis architecte et je m'occupe de l'espace. Et pas seulement de l'espace, mais ça, c'est le core business. Je ne m'occupe pas avec la sociologie ou la politique ou n'importe quoi. Je pense, je suis formé pour réfléchir sur l'espace et je veux me concentrer sur l'espace. Voilà. Après, j'ai fait un choix entre ces 100 centaines de propositions et je les ai mis dans un certain ordre pour les condenser et pour raconter quelque chose. Il y a différents fonds où j'ai projeté ces propositions, comme ici. Ça, c'est un fond, ça c'est une photocollage d'une maquette, notamment la maquette Nautical Mile, mille nautiques. C'est une maquette de 18 mètres 52 et c'est sur l'échelle 1 sur 100. Donc c'est la longueur d'une mille nautique. Et ça, c'est encore un autre fond. Ils ont tous des raisons pourquoi j'ai choisi ces fonds. Ça, c'est par exemple une photo que j'ai prise à Madrid. Et puis, on est dans le temps du GPS. Je suis allé chercher l'antipode en Nouvelle-Zélande. Puis, j'ai mis le film de nouveau dans l'appareil. Et j'ai photographié l'antipode. Ça, c'était. Donc, c'est par hasard. La photo est une image par hasard. Avec, dans le fond, on voyait les montagnes à Nouvelle-Zélande. Et puis. Les cailloux de la place à Madrid. Avec ce cadre dans ma tête, j'ai commencé le travail de Top Office et j'ai eu de la chance que ces propositions étaient embrassées par le circuit de l'art. Et comme ça, j'avais un peu l'idée comment je pouvais gagner ma vie sans que je devais être obligé de construire. Parce que je pense qu'on construise beaucoup trop. Ça, c'est une chose. Et je trouve aussi très bizarre que chaque exigence pour un espace se traduit dans une construction. Et pas dans des choses mobile. Et donc, je pouvais faire des œuvres d'art comme celle-ci. Celle-ci, la dernière pierre de Belgique, parce que je trouvais qu'on construit trop, pour illustrer qu'on construit, à mon avis, trop. Je suis pas sûr, mais je pense qu'après guerre, on a construit sur la terre plus que tout ce qu'on avait construit avant. Et ça, c'est quand même quelque chose pour réfléchir. Ou des installations, des sculptures, installations.
j'utilise beaucoup les conteneurs pour faire des installations, aussi pour exprimer différentes choses, mais entre autres la mobilité, mais aussi je pense que le conteneur est l'objet parfait pour illustrer le monde capitaliste et l'idée du capitalisme où on produit tous à l'autre côté de la terre et ça vient chez nous. Mais aussi de temps en temps avec de l'architecture, très peu. Je suis assez exigeant pour... Je dois avoir un contact avec le client avant que je peux commencer à réfléchir. Quand ce contact est dubieux, j'aime plutôt de dire non, je ne vais pas entrer dans cette histoire. Ou des actions. Je lisais dans un texte Rem Koolhaas, je pense bien connu à Lille, Mies van der Rohe disait « Les is more ». Et puis, il y a tous des choses autour. Hein. Par exemple, Rem Koolhaas, je lisais « More is more ». Alors moi, je pensais « Les is less », c'est aussi juste. Et aussi avec des interventions, et j'ai donné pendant 30 ans théorie de l'architecture à l'école d'architecture à Bruxelles. J'utilise souvent cette image qui est derrière moi. Ça, c'est la première photo de la Terre qui était prise. Et c'est aussi en 68. Et peut-être cet événement est encore plus important que mai 68. Cette photo date, je pense, le 24 décembre 68. Et c'est quand j'ai vu cette photo ou une autre, je ne sais plus, mais quand j'ai vu pour la première fois la Terre depuis l'espace, que j'étais... Moi, je pensais toujours la Terre, c'est comme un globe à l'école, avec la Terre et puis la mer autour. Et quand j'ai vu cette photo, je pensais, mais c'est tout à fait faux, parce que le plus important de l'image de la Terre, ce sont les nuages. Et la Terre n'est pas un objet... stérile, immobile, mais c'est une image qui est toujours différente par les nuages. Et ça m'a beaucoup, je pense jusqu'aujourd'hui, ça m'influence, et peut-être de plus en plus. je suis toujours fou, hein. Et puis, j'ai aussi l'enseignement, mais aussi des projets. Par exemple, ça, c'est un projet qui date 1980, je pense. Oui, je suis sûr. Et ça, c'était l'idée de mettre des éoliennes sur les poteaux de haute tension. Et comme ça, et de créer comme ça un réseau d'électricité mondial. Le même idée que est développée un peu après par GENI, le Global Electric Energy Grid. Et on voit que tout est lié sur la Terre. Et ça s'est projeté sur une carte Dimension de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller qui parlait aussi
avant qu'il a vu la Terre depuis beaucoup plus avant la Terre depuis l'espace, et il parlait de Spaceship Earth, navire spatial Terre. Ce qui est aussi drôle, j'étais intéressé par cette image parce que ça ressemble à un oiseau. Une fois que j'ai vu l'oiseau, je le vois toujours. Ça me fait aussi beaucoup penser à un travail de Panamarenko. Il a fait l'Archéoptérix, hein. Ça me fait penser à ça. Mais ça, c'est à côté. Je veux présenter cet après-midi deux projets, parce qu'autrement, je n'arrive pas à les mettre tous dans une demi-heure. Et j'ai pensé de présenter le premier travail que j'ai fait et le dernier. Et le premier travail, c'était ceci. C'était une proposition pour l'université d'Anvers. Et je pensais, parce qu'il y a deux tiers, ou presque deux tiers de la terre et de l'eau, de ne plus utiliser de la terre, mais d'installer l'université sur l'eau, sur trois porte-avions. Pourquoi trois porte-avions? Parce que ce devait être une université pour 12 000 étudiants. Et sur c'est le US Enterprise, il y a 4 000 personnes à bord. Donc ça marchait. Et une fois que j'avais décidé de faire un concept sur l'eau, c'est clair que sur l'eau, on utilise un bateau. Sur l'eau, on doit être mobile. C'est très agréable. J'ai beaucoup voyagé en bateau. Et un bateau est intéressant quand il bouge. Quand il est ancré ou il est dans un port, c'est beaucoup moins intéressant. C'est comme on ne reste pas dans sa voiture quand on ne roule pas. C'est la même chose. Donc ça, c'était l'idée. Je n'ai pas gagné le concours, ça c'était clair. Beaucoup après, je pense début de 2010, après que j'avais voyagé beaucoup pendant 10 ans, deux grands voyages en cargo, notamment un voyage vers Nouvelle-Zélande en cargo, et un tour autour du monde en voilier. Et comme quand j'avais fait ces voyages, je pensais le cas pourquoi l'université flottante, ce n'est pas, moi je dois dire l'université flottante, mais je dois dire le titre était Mobile Medium University, et le mot medium est très important, donc je reparle après. Comme j'avais beaucoup voyagé et en voilier, j'avais appris beaucoup de cartographie. Et je pouvais même en ordinateur dessiner sur un globe. Et comme ça, je pouvais développer des voyages pendant l'année académique. Hein, des voyages de 9 mois. Et c'était parce que je n'avais jamais évoqué des voyages pour l'université, qu'on ne pouvait pas imaginer le plein profondeur de ce projet. Donc ça, c'est un des voyages que j'ai développé. Ça, c'est pendant l'année, ça c'était pour l'année académique de 2015 à 2016. C'est comme
Et pendant l'année académique, l'université fait deux tours autour du monde. C'est pour ça que. Et donc, on part d'Anvers et on fait deux fois le tour du monde. Et on visite, pendant ce voyage, les 10 plus grands mégalopoles qui abordent la mer. Et je suis pas bien dans les chiffres, et je pense les 35 ports, les plus grands ports du monde. C'est une grande différence parce qu'une des plus grands ports dans ces 35 ports est une petite port, non, un très grand port en Australie, mais avec 100 villes autour. C'est seulement un port pour charger l'affaire. Et ça, c'est une autre. C'est un peu la même chose, mais maintenant, on va vers l'ouest. Et l'université visite les 45 pays les plus petits qui abordent la mer. C'est un voyage extraordinaire, celle-ci, parce que ce sont toujours des ports avec des palmiers et ce sont tous des offshore pour les contributions, pour mettre l'argent hors de contribution. Oui, je dois dire, j'avais dit déjà que dans le titre Mobile Medium University était très important parce que notamment j'avais choisi, entre autres, pour le US Enterprise, parce que j'étais fasciné par les antennes sur le bateau. Et à ce moment, je savais aussi qu'on pouvait aussi donner des cours à distance. Ou bien les professeurs sont sur le bateau, ou bien ils sont chez eux et ils peuvent donner les cours comme ça. Parce que je pense, maintenant, avec le Covid, on a vécu enseignement à distance, travailler à distance, et c'est pas l'idéal non plus, mais l'idéal n'existe pas dans le monde existant, c'est impossible, et ça n'existe même pas dans le ciel, je pense. Mais j'avais quand même l'idée que c'était possible aussi pour les étudiants de suivre des cours ou sur le bateau ou ailleurs. Et ça, c'est la photo, une photo collage que j'ai fait à gauche. C'était, j'ai fait ça 10 ans après la maquette, et ça sont tous les engins spatiaux qui étaient dans l'espace à ce moment-là, pour bien montrer que c'était à ce moment-là, je parlais de media, mediums, mais donc c'était en fait communication. On peut encore, mais je ne les ai pas dessinés, mais ça c'est un autre. 50 pays les plus riches, et l'année après, les 50 pays les plus pauvres. Il y a beaucoup de raisons que je choisis un thème, parce qu'autrement c'est très difficile pour concevoir un voyage. Ça peut aller n'importe quoi. Mais comme ça aussi, je pense, c'est très
éducatif pour les étudiants à bord, parce que après qu'ils ont terminé leur université, ils peuvent dire je suis un homme universel, je sais ce qui est sur la terre. Et je pense que c'est une grande qualité qu'on a quand même vécu plusieurs sites sur le monde. Ok, le deuxième projet, c'est le projet le plus récent. C'est encore en développement depuis 3 ans. Et l'idée, là, c'est de faire un modèle digital d'une ville. D'une ville pas idéale, mais d'une ville universelle. C'est-à-dire, c'est pas un projet pour une ville, c'est un projet pour un modèle d'une ville digitale. Et pour ça, il y a tous les genres de villes sont incorporés dans ce modèle. Une ville historique, une ville grillée, une ville linéaire, et tout ça. Et l'idée est d'avoir un modèle digital où on peut faire des essais sur l'espace public d'une ville. Parce que je remarque tout le temps que tous les essais urbains sont toujours réalisés sans études. Si on étudiait bien l'espace public d'une ville, on pouvait développer des méthodes plus ou moins universelles pour aborder les problèmes. Maintenant, les problèmes de circulation, par exemple, dans la ville, sont toujours ad hoc. Ils sont toujours faits ad hoc. Donc, on vit toujours dans des espaces urbains pragmatiques et ad hoc. Et je pense que ça pourrait aider si, par exemple, tous les flux, les voitures, les cyclistes, les piétonniers, et encore beaucoup plus complexe, parce que comme c'est un modèle digital pour une ville universelle ou d'une ville universelle, il doit être aussi possible d'entrer dans la ville avec des éléphants, des chevaux, etc., des chameaux, etc., etc. Donc, très complexe. La ville est implantée sur un paysage qui est aussi artificiel et qui est aussi développé par Top Office. Et la raison était surtout parce que, sauf à côté de Le Corbusier, je ne connais pas des plans d'une ville qui joue avec les formes géomorphologiques, le modelé du paysage. Presque tous les plans d'une ville qu'on voyait dans les livres, c'est toujours les plans de ville conceptuels sont presque toujours conçus sur une surface plate. Sauf Le Corbusier a fait des projets, par exemple Buenos Aires, par exemple Rio de Janeiro, par exemple Alger, où il joue avec le paysage et où la ville est vraiment une contribution au paysage. Et je pense que ça, c'est très important. Ok. Ça, c'est le premier croquis de cette ville. Je dis croquis parce que ça
semble déjà bien élaboré, mais ça c'est parce que je dois dire c'est un croquis digital. Et c'est pour ça que ça semble être très élaboré, mais ce n'est pas comme ça, c'est vraiment un croquis. Je dois peut-être un peu aller en arrière. Ça, c'est le développement du paysage artificiel. J'ai d'abord cherché pas tout, mais les modelés du paysage les plus importants, rangés, et puis je voulais chaque modelé est réinterprété d'une manière architecturale, et c'est assemblé dans une maquette que vous voyez à droite en bas. Toute cette maquette est développée par une pièce que, si je commence en haut à gauche, ça c'est une pièce qui est développée partant la proportion d'or et tous les manières pour le dessiner. On a développé une forme qui comme un puzzle. Je me suis inspiré sur les dessins de Escher, qui a fait des dessins avec des oiseaux qui volent comme ça et d'autres qui volent comme ça, des poissons et tout ça. C'est sur cette idée. À droite, vous voyez les pièces, et puis je pouvais assembler des pièces jusqu'à des formes, parce que sous les modelés sont d'une grande échelle, d'autres modelés on peut faire sur petite échelle. Donc, pour certains, j'avais assez avec une pièce, pour d'autres, j'avais besoin de 5 ou 10 pièces. Et puis, on a fait ce puzzle. J'étais très content quand c'était fini sur l'écran. Je voyais que le dessin ressemblait à un lion. Je peux le montrer. Ça, c'est sa tête. Comment ça se dit ? Oui. Les pattes. Et je pense toujours, quand je vois des choses comme ça, quand je dessine, maintenant c'est sur l'écran, et quand je vois des choses comme ça, alors à ce moment, pour moi, c'est fini. Parce qu'il y a un élément qui me tape et qui me dit c'est juste. On peut aussi dire que ce sont les muses qui me disent ça. Ici, encore le dessin. Vous voyez tous les modeler. Et j'ai décidé de mettre, nous avons décidé de mettre la ville sur la cuesta qui est ici. Parce que c'est un modelé qui fait que c'est très difficile pour concevoir une ville, mais d'autre part, qui donne aussi beaucoup d'entrées pour développer des formes. Comme j'ai déjà dit, les flux du trafic sont très importants pour
pour réfléchir là-dessus sur un modèle digital de laboratoire. Ici, on voit avec toutes les couleurs, chaque couleur est différents types de chemins, avec beaucoup d'utilisateurs et avec moins d'utilisateurs. Je montre un peu comment ça développe. Par exemple, il y a une ceinture autour de la ville. Et cette ceinture est en fait un nœud de changement sur les autoroutes, mais très agrandi, que c'est en fait la ceinture et un grand, comment ça s'appelle, un grand, non, les champs. Oui, échangeur, ça c'était le mot que je cherchais. Et donc c'est un très grand échangeur autour de la ville. Je vous montre quelques zooms. Vous voyez, je vais un peu. Les gris là, et ça c'est une prototype d'une ville linéaire. Ça, c'est aussi important. Dans une ville, il y a toujours des échangeurs entre le métro et le transport au-dessus, les trains, les métros. Et pour montrer où il y a des lieux donc qui sont importants dans la ville, on a conçu une méthode pour bien montrer. Ce sont les constructions roses, vieux roses sur le dessin. Et ça c'est, je vais le montrer un peu plus en détail. Mais je vais donc ici on voit encore tous les les nœuds dans la ville à gauche, puis la ville linéaire, puis le parc, ça c'est la ville grillée en vert, et on appelle ça le parc Hippodamus, parce que Hippodamus est l'inventeur d'une ville grillée. 500 avant Jésus-Christ. Hein. Mais au lieu de faire des avenues ou des routes, on a choisi de faire ça avec des parcs linéaires. C'est comme si, comment il s'appelle, qui a fait tous les grands tracés à Paris. Oui, ça m'échappe pour le moment. Et si c'était fait avec des parcs, ce serait une toute autre ville. Et l'avantage, c'est qu'on peut se promener dans un parc tout le temps. Ça, c'était l'idée. Et puis, l'autre image, ça, c'est le port de la ville. À gauche, en haut, vous voyez aussi l'aérogare. Encore. Le dessin se développe et les couleurs deviennent mieux en mieux. Et ici, vous voyez bien que je pense quand même que le paysage et la ville, il y a un échange entre les deux. Et ça. Parce que c'est un modèle, mais d'autre part, j'essaie quand même de faire
une maquette digitale, mais qui est jolie, qui est épatante, où c'est agréable pour travailler dedans. Et où, en travaillant dedans, et, alors, c'est vraiment avec Zoom qu'on regarde la ville, on découvre tas de choses. Ça, c'est par exemple une infrastructure sportive. Beaucoup, presque la plupart des formes viennent encore toujours de cette pièce que j'ai montrée au début. Ce puzzle. Ah oui, ça sent ses nœuds dans la ville. Ça, c'est un thème que on a développé en 1980. Et l'idée est très simple. C'est l'idée est simple et échelle les perspectives. Et le plus simple, je vais expliquer comment j'ai trouvé ça. Quand j'étais en 80 à New York, et j'étais sur le toit du World Trade Center. Et puis, je voyais l'autre tour, identique. Et je pensais à ce moment, ce serait beaucoup plus intéressant si ce tour était construit horizontalement. Parce que comme ça, tu es sur le toit et tu peux voir, ah là, il est là couché. Et dans la rue, tu peux voir, ah, ça c'est le bâtiment ici qui est vertical. C'est un thème qui, tout le monde le comprend. Même un enfant peut comprendre cette forme. Et on a développé, on utilise ça souvent et ça donne des idées. Donc ici aussi, le bloc, on l'a diminué. La forme du bloc est diminuée. Puis le bloc est mis verticalement sur l'autre. Et ça donne. Je sais encore quand Isabelle au bureau, elle a dessiné ça pendant un après-midi. Que je disais à Isabelle, ah ben, vous avez conçu pendant un après-midi de 20 Rem Koolhaas. Parce qu'il part aussi d'abord du grand forme et puis tout dedans. Encore une autre vue avec l'aéroport. Et on voit aussi que les infrastructures deviennent architecture. Et maintenant, c'est presque fini, c'est le modèle. On peut commencer à étudier les différents flux sur les rues. Parce que ce qui est très frustrant, c'est que si on est piétonnier ou cycliste ou automobiliste, c'est toujours très compliqué pour savoir comment tout se déroule. Moi, je connais des passages pour les piétonniers zébras. Et tu montes et puis à la fin, tu es sur rien, ça donne sur rien, où il y a un poteau au milieu, où il y a des bacs pour recycler le verre. Les cyclistes non plus, ils ne savent pas comment ils roulent. C'est pour ça qu'ils roulent partout. Ils sont comme Dieu, ils sont partout. Et ça, c'est dangereux, mais le plus important pour moi, c'est que ça détruit. La vie dans l'espace public. On devient un peu nerveux de ça.
Et donc, ça c'est ce que je disais au début. Si on peut mettre un certain ordre dans cette utilisation de l'infrastructure, ça c'est aussi une forme d'esthétique. Et cette esthétique est le plus important pour la ville. Les bâtiments, c'est bien quand les bâtiments sont vraiment de l'architecture. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a une très grande confusion entre architecture et construction. Si je voyais maintenant avec l'Europe, tout doit être, tous les commandes d'architecture doivent être faites par un concours. Et alors, il y a tout le temps, chaque jour, un concours de l'architecture. Et puis, quand on lit ce qu'on demande, on ne demande pas de l'architecture, on demande une construction. Et ils aiment plutôt que ce ne serait pas architecture, parce qu'architecture, ça rend les choses difficiles et chères. Donc, ça, c'est une manière pour, avec des gestes, des grands gestes, mettre ordre dans la ville et que le trafic se développe d'une manière agréable. Et que se déplacer dans une ville donne une certaine satisfaction esthétique. Ça c'est le but de ce modèle. Voilà, merci. J'ai encore une image. Zwischenland. Zwischenland, ça c'est la même chose, je pense, les immigrants, ça c'est un problème, certainement, mais ce n'est pas seulement un problème sociologique ou politique, c'est surtout un problème d'espace, un problème spatial, et ça c'est une proposition pour le résoudre. Donc, Zwischenland, ça c'est donc pour les immigrants, et ça c'est tout le vert. C'est simple, certains pays dont 15 ou 20 kilomètres à côté de la frontière, comme nouvel pays. C'est bien, les immigrants, comme ça, ils peuvent se déplacer dans l'Europe. Ils ont une place où ils peuvent se manifester, ils sont libres. J'ai calculé ça, mais je ne peux pas lire. Mais je pense que Zwischenland peut... Je pense qu'on peut... D'ici, je vois 14 000 km carrés, à peu près. Oui, mais j'avais aussi calculé... comparé avec Israël, combien d'immigrants pouvaient contenir. Et je pense que c'était 25 millions. Donc ça, pour montrer que c'est un problème qui peut être aussi résolu par un réflexe spatial. Merci. Merci, Luc. Finalement, ce que vous évoquez, c'est d'une certaine manière une façon de concevoir le rôle de l'architecte et de l'urbaniste de manière très différente de celle à laquelle on est habitué depuis l'après-guerre. Dans un ouvrage qui parlait de la ville inadaptée, vous évoquiez... l'idée que l'architecte, l'urbaniste devait plutôt se concentrer sur la question des infrastructures plutôt que sur la question de l'habitation. Oui, 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 absolument. Qui devait plutôt relever du rôle de la personne qui habite. Oui. Et aussi, je pense, pour un vrai architecte ou un vrai urbanisme, la responsabilité
est énorme. Et ce serait bien de, que les architectes prennent cette responsabilité dans leurs mains, qu'ils ne font pas aujourd'hui, je pense, ou pas assez. Et on l'a... J'ai découvert ça, je dois dire ça quand même, j'ai découvert ça par Le Corbusier, parce que Le Corbusier, tout ce qui est venu comme architecture après, ça ne m'intéresse pas. Je dois dire, seulement Le Corbusier me fait heureux quand je visite quelque chose que de lui, tout le reste. À Lille. Qui ce n'est pas terminé encore. C'est pas ce que ça promet. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? Oui. C'est juste une petite, enfin une observation par rapport à votre ville digitale. Comme ça d'emblée, ça m'a fait penser à la ville du Cap en Afrique du Sud, parce que vraiment on trouve les montagnes, l'agencement du centre-ville, avec enfin des constructions un petit peu plus élevées, l'espace portuaire. Et le côté du stade, avec l'ensemble des installations sportives, c'est géographiquement, c'est agencé de sous le même, on va dire, format. Et moi, ce qui me donne de l'espoir dans ce que vous avez présenté, c'est que l'ensemble des habitations les plus pauvres ont totalement disparu. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant pour l'avenir, parce que logiquement, ils n'existeront plus. Merci. Je suis aussi très heureux que ça vous fait penser à Kaapstad. Parce que l'idée, c'était de pas de concevoir une nouvelle ville, mais une sorte de ville qui est universelle. Et par exemple, moi, je pense toujours, quand je vois le parc Rié, parc Hippodamus, je pense immédiatement à Chandigarh, parce que je n'avais pas l'idée de réinterpréter Chandigarh, c'était après même, et je connais bien le travail de Le Corbusier, donc ça fait peut-être partie de mon DNA spirituel, mais d'autres, quand je fais des zooms sur l'ordinateur, ça me fait penser à d'autres villes aussi, mais c'est jamais voulu. Une autre question ? Oui ? Voilà, bonjour. Enfin, moi, j'étais un peu frappé par la disparition un peu de la verticalité. Il y a beaucoup de place pour l'extension, en fait, je trouve, horizontale. Mais là, je n'ai pas l'échelle des bâtiments. Je ne sais pas quelle hauteur ils ont, ces bâtiments. 15 mètres, 20 mètres environ, moi, je le sais. Mais je dois aussi dire que ce modèle, c'est un peu hors échelle, dans ce sens que je peux interpréter ça sur différentes échelles. Et sans même... D'accord. Enfin, néanmoins, on a l'impression quand même que
ce sont des villes qui ont tendance à avoir une très grande expansion quand même. Alors je me demande comment ça se situe quand même par rapport au milieu naturel. J'ai bien compris que ces villes, elles tenaient compte de l'environnement. Bon, mais si ces villes sont quand même construites beaucoup en surface, ça veut dire que ça, quelque part, ça va empiéter beaucoup sur l'environnement et ça ne va peut-être pas répondre à la question de densité de population, à la démographie. Comment vous voyez cela ? Oui, c'est une remarque qui est juste, mais ce que je peux répondre sur ça, c'est pour moi, ce ne sont pas les bâtiments qui sont importants, c'est le contrepoint des bâtiments, l'espace libre. Et donc, pour ça, il n'y a pas vraiment réfléchi sur la répartition des bâtiments hauts et des bâtiments bas. On a choisi un certain hauteur dans le dessin. Mais si ça devient... ça va sur l'espace libre, donc les blocs. Ce sont des blocs un peu schématiques, parce que je pense, pour le but qu'on conçu cette ville, qui son nom est Darling. Quand on a conçu Darling, on n'a jamais pensé à développer une ville idéale. Pour nous, ça, c'était pas le but de ce travail. C'est pour ça. C'est une ville un peu universelle. Vos remarques sont justes, très justes, mais c'est pas une ville, c'est pas un projet d'une ville. Et comme ce n'est pas un projet d'une ville, ça doit être un peu schématique, comme les cartes d'une ville ou comme les cartes d'un GPS. On a beaucoup réfléchi sur ça. Ça, c'est aussi très schématique. Et de temps en temps, quand on roule lentement, l'échelle s'agrandit. Et après, ça, c'est un peu aussi l'idée de cette ville. Parce que faire une étude sur la densité propre, alors ce serait trop une typologie. Et je voulais avoir une ville avec toutes les typologies dedans. Si on veut, on s'avait accroché sur la plus grande densité d'une ville concevable, je pense qu'on retourne toujours vers la ville radieuse. Très dense et beaucoup de verre. Et ça, c'est... oui. Alors, ça devient une typologie, hein, comme la ville radieuse, Le Corbusier est devenu... une typologie que tout le monde déteste. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, je comprends bien, oui. Pour les compagnies de construction, 88% non construits et 12% construits, ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est, ils pensent que c'est trop cher. Chaque mètre carré d'une ville doit rapporter de l'argent. Parce que le développement d'une ville, c'est surtout aujourd'hui, le développement d'une ville ne sont pas faits pour les habitants. Hein. C'est fait pour gagner, retirer de l'argent. C'est comme une compagnie de minière. Hein.
essayer de tirer le plus grand montant d'argent dedans. Et c'est pas fait pour les habitants. C'est pour ça qu'au début que je disais, pour moi, il y a deux échelles. C'est d'une part l'homme et d'autre part la planète. Est-ce que c'est une réponse? C'est en tout cas une réflexion qui peut faire écho par rapport à la situation de la métropole de Lille. Comme je le disais tout à l'heure, qui est la deuxième métropole française en termes de densité de population. Ça fait aussi écho, vous l'évoquiez, hein, le projet Euralille, qui se déroule en plusieurs phases. Il y a encore une partie en construction. Ça fait écho à des projets d'urbanisme dont on a tous entendu parler sur la métropole. Hein. Je pense à la Friche Saint-Sauveur, qui pose beaucoup de questions sur ce rapport entre l'espace vide et l'espace construit. Et du coup, voilà, ça nous renvoie aussi en effet à des choses qu'on entend et auxquelles on est alerté sur le territoire métropolitain. Je vous remercie en tout cas pour cette présentation. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Oui. Alors je vais passer le micro à monsieur. Et merci. Je note que vous utilisez beaucoup la ligne droite là vous utilisez beaucoup les lignes droites et très peu les lignes courbes. Donc il y a Der Wasser par exemple qui dit que la ligne droite n'existe pas dans la nature. Oui. Hein? Alors est-ce que c'est une volonté délibérée? Non, mais je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de courbes dedans. Chaque fois une courbe dans la pièce. C'est quand même pas rectangulaire. Mais je voulais aussi que ce projet restait schématique. Je voulais pas, c'est un choix, hein, mais je voulais pas développer une typologie d'une ville. Je voulais me concentrer sur l'espace négatif, l'espace public. Et donc, les blocs et la construction et l'architecture est faite assez vite parce que ça, c'était seulement pour créer un vide. Vous avez parlé aussi là, de la gestion des flux, et je crois que c'est très très important en urbanisme, parce que je crois, ce que je reprocherais aujourd'hui quand je regarde les constructions, et on le voit beaucoup sur l'île, on n'arrête pas, on voit une dent creuse, on vient ajouter encore un bâtiment, etc. Et il n'y a pas cette logique de gestion des flux, des circulations. Moi j'ai eu l'occasion avec un de vos collègues belges de restructurer un peu une usine qui avait été faite un peu comme ça, et on a commencé par redessiner tous les flux. Donc les flux de camions, il y en avait beaucoup, les flux de voitures, donc les flux, c'est pareil, les flux aussi de clients par rapport aux flux des camions internes, penser au passage piéton, et à travers tout ça, la sécurité. Et on a redonné, comment dirais-je, une grille de lecture, comme on disait, et même par rapport au procédé. Vous voyez, au départ, on arrivait dans cette usine, vous voyez, moi, je pense que j'avais l'habitude, on grattait la tête un peu, on disait comment circule la matière là-dedans, dans tous ces procédés. Et après, avec ça, en habillant aussi un petit peu les bâtiments, si vous voulez, avec un peu d'architecture, même dans les bâtiments industriels, on a redonné un peu une lecture même du procédé, etc. Et c'est vrai que je crois que c'est très, très important, cette notion de flux. Et dans les villes, malheureusement, on n'y pense pas du tout. Moi, je suis dans un village. Alors, tous les 10 ans, on vient planter un lotissement.
Alors, il y a une enquête publique. Alors, c'est remarquable. Il y a tout de suite pas de questions, mais alors, il n'y a rien. On dit évacuation des eaux. Ben, on se branche sur l'émissaire qui passe devant. Hein. On prévoit qu'une sortie, par exemple, pour un gros lotissement. On met ça dans le coin le plus dangereux. Mais c'est complètement vide, c'est surréaliste. Alors qu'on devrait penser un peu urbanisme, dire, bon, ce village, au départ, il y avait un tracé qui s'est fait progressivement. Je ne sais pas en suivant le pas de l'âne, mais que c'est, il y avait un peu tout ça, quoi. Et puis tout d'un coup, on vient mettre là, comme ça, des gros pavés. On passe d'un truc à l'autre. Et c'est, je dis, excusez-moi, mais c'est affreux, quoi. Il manque, je pense, cette réflexion sur l'urbanisme, hein, sur les fonctions, et sur ce côté fonctionnel, tout ça, pour dire, ben, voilà, les gens, ils sont là, ils vivent, ils doivent échanger, ils doivent circuler, etc. Et comment on pense à tout cela, quoi. Une dernière question, rapidement, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais savoir ce que vous en avez déjà un peu parlé, mais ce que vous pensez de ces plans, l'architecte grec, c'est Hippodamus, que vous avez dit, ou même des plans de construction des villes romaines avec ces grands axes, angle droit, avec cette idée de forum. Quel est votre point de vue par rapport à ça, est-ce que pour vous c'est de la construction, est-ce que c'est de l'architecture? Et puis finalement, on a comme un module très rectangulaire. Je veux savoir aussi si vous avez exploré d'autres modules de construction. Oui, j'espère que je vais répondre d'une manière juste. Toute ma vie, j'ai développé des idées sur l'architecture, sur l'urbanisme, mais ce que je ne voulais jamais, c'est de pointer mon doigt. Je fais des choses comme ça. Pour moi, je m'amuse, j'apprends beaucoup, et j'espère que le monde apprend aussi beaucoup de ça. Mais... je vais le dire comme ça. Un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'architecture, c'est « Vers une architecture » de Le Corbusier. J'étais encore... je commençais à apprendre l'architecture quand j'ai lu ce livre. Et j'étais vraiment « waouh ». Je trouvais ça énormément, ce livre. Très juste, très bien écrit. Le contenu était très juste, mais la fin du livre, c'était l'architecture ou la révolution. On peut éviter la révolution. Et pour moi, c'était un très mauvais fin. C'était un peu comme la publicité. C'était un peu comme vendre du savon. Et pour ça, Dès ce moment, j'ai toujours dit, je ne veux pas dire que mon architecture est l'idéal, je ne veux pas développer l'architecture idéale, je ne veux pas dire qu'on peut vivre dans un monde idéal. Dans ma tête, je le conçois. Et c'est agréable de penser comme ça je sais toujours quoi faire, mais c'est jamais, je ne veux jamais dire que c'est la solution, parce que ça c'est quelque chose qui me choque beaucoup, que chaque star architecte, hein, comme on dit, dise toujours qu'il développe l'idéal, et que c'est ça je veux pas dire, et c'est peut-être pour ça que ça semble un peu cuit, yeah, un peu bric-à-brac. J'aime aussi de mettre toujours un peu de bric-à-brac dans le projet, et c'est pas grave parce que c'est un objet digital.
de laboratoire. On ne doit pas vivre là-dedans, mais on peut apprendre quelque chose en utilisant ce modèle pour résoudre des problèmes spatiaux dans une ville. Ça, c'est ce que j'espère que ça va devenir, ce dessin. C'est ce qu'on retiendra, en tout cas, cette idée que ce soit un lieu d'expérimentation, de réflexion. Oui. Que chacun puisse à un moment donné s'en emparer pour la suite. Chacun qui utilise, ça peut changer tout. Mais il y a la base, la formelle qui est très consistante et ça développe toujours de ce dessin à droite. Donc ça donne une certaine consistance et une certaine harmonie dans le projet qui, on le voit ou on ne le voit pas. Mm. Et même quand l'harmonie est détruite par des actions là-dedans, ça ne gêne pas, je pense. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec grand plaisir. Je vais inviter Lucille Jansoun à me rejoindre. Pour notre... Je me décale ? Non ? Voilà. Je vais te présenter un petit peu. Attends, il va te le mettre en route. C'est bon ? Non ? C'est bon. Merci. Alors, Lucille, tu es donc, je me permets de te tutoyer, chef de projet RSE et mobilité durable au pôle action, entreprise et innovation du réseau Alliance sur la métropole lilloise. Tu es diplômé de Sciences Po Lille. Et à travers tes missions au sein du réseau Alliance, réseau d'entrepreneurs responsables en Hauts-de-France, tu travailles avec une communauté d'environ 350 acteurs publics et privés, et tu animes un écosystème régional qui accompagne les employeurs sur le management de la question de la mobilité. Donc, par ailleurs, le musée est partenaire donc avec le réseau Alliance et en l'occurrence avec toi sur l'organisation et la conception de ces journées. Et donc on a le plaisir de t'inviter aujourd'hui à parler, à venir nous expliquer en quoi consiste cette activité, cette animation, cet écosystème et cette réflexion qui se porte notamment dans les entreprises de la métropole sur la question de la mobilité des salariés. Merci Benoît. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Ok. Est-ce que je peux retirer le masque ? Bon, on a mangé ensemble ce midi, ça ne change pas grand-chose. Voilà, on était côte à côte. Bonjour à tous, enchantée. Donc, Lucille Jansoun. Donc, voilà, je te remercie, Benoît, de m'avoir invitée à cet après-midi. Donc, moi, je ne suis pas artiste. Je connais Le Corbusier parce que parfois, je fais la sieste devant Arte. Mais voilà, en fait, j'ai pas eu de cours, j'ai pas côtoyé non plus ce monde-là, donc c'est aussi très intéressant de participer à ce type d'intervention. Moi, mon quotidien, c'est plutôt d'entendre des entreprises, des employeurs qui vont partager leurs réflexions autour de la transition, du développement durable, de la responsabilité qu'ils ont en tant qu'acteurs économiques. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Avec Benoît, on s'est rencontrés il y a quelques mois maintenant. Benoît et Véronique, hein, qui étaient sa coéquipière jusqu'il y a peu, puisque le LAM, en tant qu'acteur économique, se pose des questions de transition. Donc en fait, j'ai un peu envie de faire une interview inversée et qu'on le fasse à deux voix. Benoît, si tu veux peut-être nous expliquer aussi quelle est la démarche peut-être à travers ces journées et au quotidien chez vous. Oui, alors... c'est vrai que le musée, depuis 2019, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, est engagé dans une réflexion sur la transition écologique et sur l'impact de son activité sur l'environnement. Et
Ceci a ouvert de nombreux chantiers, hein, aussi bien sur la gestion des déchets que la question de la biodiversité dans le parc et d'autres sujets, tous ces sujets étant très imbriqués. Et l'une des raisons qui nous a fait aussi nous rapprocher de toi et du réseau Alliance, c'est la question de la mobilité des salariés. Puisque on est une cinquantaine de salariés au LAM, plus deux sociétés prestataires qui s'occupent de l'entretien et de la surveillance. Donc ça fait une vingtaine de personnes en plus sur le site. Et donc toutes ces personnes, évidemment, génèrent des flux de circulation entre le centre-ville de Lille ou les autres communes de la métropole et le musée, entre ou même la campagne, puisqu'on a des collègues qui ne résident pas dans la métropole. Donc une problématique de mobilité qui se pose à chacun d'entre nous, et puis surtout deux autres problématiques de mobilité qui peuvent être aussi un écho aux entrepreneurs qui font partie du réseau Alliance. C'est la question de la problématique de la mobilité de ce que dans l'entreprise privée on appellerait les clients, c'est-à-dire nos visiteurs, qui génèrent eux-mêmes une production de CO2, et la problématique de la mobilité des œuvres, c'est-à-dire quand le musée prête une œuvre pour une exposition en dehors de ses murs, évidemment, ce prêt, en fonction de l'œuvre ou de là où l'œuvre est envoyée, génère un impact environnemental qui est plus ou moins important. Donc c'est toute cette réflexion qu'on a engagée et qui nous a amené à nous rapprocher notamment du réseau Alliance. Merci Benoît, je te reposerai des petites questions par la suite, mais voilà, en tout cas ça montre, cette réflexion-là, c'est une réflexion qui est partagée par de plus en plus d'acteurs économiques, malheureusement pas 100%. En tout cas nous, donc ça fait une trentaine d'années qu'on existe chez Réseau Alliance, enfin 29. On observe une communauté qui grandit, des questions qui s'approfondissent. Il y a 30 ans, on parlait d'économie citoyenne avec des problématiques plutôt d'embauche, tout simplement d'avoir des métiers et des offres d'emploi qui correspondent au bassin d'emploi local. Et on se posait des questions sur comment ouvrir l'embauche à des profils moins typiques, en tout cas moins classique par rapport au métier. Donc typiquement, un manager doit sortir d'une grande école. Voilà ce type de cliché qu'on essayait de déconstruire. Donc les managers peuvent venir de grandes écoles, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, ils ne sont pas obligés. Il y a d'autres manières de se former et de créer ses compétences si on ne les a pas déjà. Et donc on travaillait là-dessus il y a 30 ans. Donc j'étais vraiment toute petite. Je n'étais pas encore salariée de Réseau Alliance. Et on a eu le Grenelle, on a eu beaucoup de contextes réglementaires, de prises de conscience qui ont émergé. Et en fait, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu le choc, un peu comme Jérôme Bell le montrait tout à l'heure, en se disant, mais mince, en fait, quel est mon impact réel ? Et du coup, les questions de responsabilité sociétale et environnementale, responsabilité sociétale des entreprises, se posent de plus en plus. Et on a besoin de réponses, on a besoin de se rencontrer pour voir qu'en fait, on n'est pas seul à se poser ces questions-là, qu'en fait, des Jérôme Bell, il y en a plein partout. Parfois, ils sont chorégraphes, parfois, ils sont entrepreneurs dans le BTP, parfois, ils sont profs, parfois, ils sont DGA d'une grosse administration. Et tous ont envie de changer le monde, d'atténuer leur impact. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, chez Réseau Alliance. Donc, on est une association, on va rassembler des adhérents, dont le LAM fait partie depuis quelques semaines. Je l'apprends. Il me semble. En tout cas, j'ai vu passer un échange de mails. D'accord. Et donc après, je ne sais pas où ça en est exactement, mais en tout cas, ça fait quelques mois qu'on échange. Sur différents sujets et notre rôle en fait ça va être de créer ces prises de conscience quand elles sont pas déjà actives et ensuite de montrer qu'en fait en termes de responsabilité sociétale, donc sur l'homme, sur le territoire sur lequel on a implanté et sur l'environnement, en tant qu'entreprise on a énormément de choses à faire. On va susciter l'intérêt, montrer les enjeux que l'activité de n'importe quelle activité économique, en tout cas n'importe quelle
j'ai perdu ma phrase. Voilà, en tout cas, on va montrer les enjeux qui sont derrière les activités économiques et on va montrer des pistes de bonnes pratiques, des pistes d'action qu'on peut mettre en place par le témoignage d'entreprises. Et donc, des Jérôme Bell vont rencontrer des Benoît qui vont rencontrer des Ludovic. Alors, Ludovic devait être là cet après-midi, il a eu un empêchement, mais il venait nous partager justement l'engagement qu'il porte chez un bailleur social, chez Villogia. Et donc voilà, donc on va essayer de montrer toutes ces bonnes pratiques-là. Et donc là, je vais te repasser le micro dans 10 secondes, Benoît. Une des bonnes pratiques que vous avez, ça va être autour de l'animation, donc là je reviens sur le côté employeur, avec la participation au challenge de la mobilité, et du coup avec des résultats plutôt appréciables. Alors, en effet, le musée a participé aux côtés d'autres institutions. Parce que je sais qu'il y avait d'autres collègues du milieu du spectacle vivant. Il y avait des administrations publiques, il y avait des établissements scolaires, des entreprises. On a participé au challenge de la mobilité au mois de septembre. Oui. L'objectif étant, pendant une semaine, d'essayer d'inviter les... d'inviter et de convaincre et de pousser les collègues à changer leur pratique de mobilité pour venir travailler, à abandonner la voiture et à essayer les transports en commun, le covoiturage, le vélo, la trottinette, les rollers, les mobilités douces. Donc on a mis ça en place, on a participé à ce challenge. On a constaté, ça a été l'occasion pour nous surtout de faire un état des lieux de la mobilité des salariés du musée. Moi, j'ai centralisé un peu toutes ces informations et j'ai pu constater qu'il y avait quand même déjà une bonne moitié de l'équipe qui était utilisatrice des transports en commun ou du vélo, qu'une autre moitié venait en voiture, alors parfois en covoiturage ou en voiture parce que était confronté à des difficultés par l'implantation de l'habitation. Je pense notamment aux collègues qui vivent à la campagne, qui n'ont pas de desserte de transport en commun suffisamment efficace pour leur permettre de venir au musée de manière différente. Donc on a participé à ce challenge. On a été lauréat sur un prix, sur une catégorie... nouvelle, si je me souviens bien, qui était le télétravail, puisque c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé, évidemment avec le Covid, mais qu'on est en train de petit à petit continuer à développer et à proposer aux salariés qui le souhaitent. Alors évidemment, comme dans toute structure, on a des métiers qui ne le permettent pas, on en a d'autres qui le facilitent. Et ça nous a engagés, au-delà de la question des salariés, ça nous a engagés dans une réflexion sur, de manière générale, la question de l'accessibilité du musée. Alors, on avait déjà lancé cette réflexion sur les questions d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, personnes en situation de handicap. Mais de manière générale, nous sommes confrontés à cette problématique. On est desservi par deux lignes de bus. Quand on vient du centre-ville de Lille, il faut prendre un métro et un bus. Donc il y a une rupture de charge, on va dire. Pour venir ici. Le dimanche, malheureusement, il y a moins de bus, donc il faut attendre plus longtemps. Donc on a une vraie problématique et l'expérience du challenge mobilité nous a permis de réfléchir aussi sur la question d'élargir la réflexion sur la question des visiteurs. Merci pour ce témoignage. Oui, voilà, en fait, c'est un peu ce qu'on essaye de décortiquer. Hein. C'est vrai que je ne me suis pas présentée de manière très formelle. Du coup, j'anime la communauté Déclic Mobilité. En gros, ce sera, je vous disais, il y a des Jérômes, il y a des Benoît. Là, c'est plutôt des Benoît qui vont se rencontrer à l'année, donc plusieurs centaines d'employeurs publics et privés, pour partager les mêmes problématiques. Et en effet, dans le réseau, on travaille, donc tu parlais du monde du spectacle, les Quatre Écluses, donc un lieu de concert qui est à Dunkerque, l'aéronef aussi qui est en plein cœur du quartier Euralille et qui accueille des concerts plusieurs fois par semaine. Par exemple, ces trois structures vont avoir une activité qui accueille énormément de public, qui repose sur des performances notamment et qui va générer des flux en soirée quand on a moins de transports en commun.
quand c'est moins agréable parfois de circuler à vélo, en tout cas quand c'est quand les mobilités durables sont moins faciles à promouvoir. Et tu me donnais un chiffre quand on préparait cette intervention, Benoît, sur l'impact carbone des mobilités. Oui, de nombreuses études en ce moment qui sortent sur l'impact carbone des institutions culturelles et de manière générale du monde de la culture. Et le flux des visiteurs, en tout cas pour les musées, puisque j'ai pas d'informations sur les lieux de spectacle, mais sur les musées, le flux des visiteurs peut représenter jusqu'à 80% de l'impact carbone total. Si on prend, alors 80%, je prends comme exemple des gros musées parisiens comme le Louvre, où vous avez 70% des visiteurs qui sont des touristes étrangers. Évidemment, quand vous avez un visiteur américain qui vient visiter le Louvre et qui vient voir la Joconde, l'impact carbone qu'il génère, qui vient s'accumuler dans l'impact carbone du Louvre, est très important. Alors, nous, on n'a pas fait cette étude-là encore. On est en train de regarder à ça. Sur les musées territoriaux, les musées en province, il y a certainement une nuance plus importante à apporter parce que l'essentiel des visiteurs chez nous, par exemple, ce sont des visiteurs régionaux ou métropolitains. Donc, l'impact carbone, évidemment, est moins important. Mais on réfléchit à ça. Et c'est aussi un élément moteur pour pour continuer à déployer des activités qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire le musée qui se déplace. Et ça se traduit à travers des activités d'ateliers où on va dans les établissements scolaires ou les établissements de santé ou les autres ou chez nos partenaires culturels. Ça se traduit aussi par des déplacements d'œuvres chez nos partenaires culturels. On avait monté une exposition à la médiathèque de l'Homme il y a 2 ans. On avait sorti des œuvres des réserves. Donc plutôt que de faire venir les Lomois et les Lomoises au musée, on a déplacé les œuvres chez eux. Voilà, donc on essaie de renverser un peu la logique. Alors, il ne s'agit pas de dire plus personne ne vient au musée, ce n'est pas la question. Il s'agit juste de dire de retrouver un équilibre et de déplacer le curseur dans cet échange entre le visiteur qui vient au musée et le musée qui va au visiteur. Et puis, j'extrapole un peu, mais en fait, vous êtes un lieu d'influence. Vous, en tant qu'employeur, déjà, vous avez une responsabilité parce que vous générez les flux des personnes qui viennent travailler. Mais finalement, les personnes qui viennent vivre l'expérience du musée, qui se déplacent jusqu'à vous, qui vont se renseigner plus ou moins, en tout cas, sur comment venir. Peut-être que vous avez aussi un rôle à jouer sur des messages à faire passer pour faire connaître ces deux fameuses lignes de bus ou l'accessibilité à vélo qui peut être plutôt sympa. Ben, en tout cas, on travaille avec... on s'appuie sur le retour d'expérience de nos visiteurs pour travailler avec les acteurs publics comme la MEL, comme la ville de Villeneuve-d'Ascq ou comme les délégataires de services publics, je pense à Ilévia, pour essayer de développer les points d'accès, les moyens d'accès au musée, autres que la voiture. Parce que évidemment, la situation du musée fait, par rapport, si on se compare au Palais des Beaux-Arts de Lille, la situation du musée fait qu'on a plutôt propension à utiliser la voiture pour venir nous voir. Donc on essaie de se servir de ces retours d'expérience de nos visiteurs pour essayer de faire avancer les choses, essayer de faire que Ilévia réouvre une station Vélil à proximité du musée, puisqu'il y en avait une, mais ils l'ont fermée parce qu'elle n'était pas rentable. C'est le travail aujourd'hui qu'on engage, en tout cas dans notre rapport aux visiteurs. Et puis finalement, vous vous ouvrez, en travaillant sur l'accessibilité, vous vous ouvrez à un nouveau public, celui qui n'est pas motorisé. De toute façon, oui, c'est la question. Alors, cette réflexion a une limite aussi, parce que le musée n'est pas non plus une société de transport. C'est ce que je dis souvent quand on me dit il faut mettre des bus en place. Chose qu'on fait sur certains événements, justement. Une fois par an, on organise une soirée musicale au mois d'octobre qui se termine à minuit. Là, il est clair que je mets des bus en place. Je fais de la location de bus pour pouvoir permettre aux gens de circuler entre le musée et le centre-ville. Mais ce n'est pas notre travail au départ. On est un lieu culturel. On ne devrait pas avoir à se,
en tout cas se préoccuper de la façon dont les gens ont des possibilités qui sont offertes aux gens de venir visiter le musée. Mais on essaie d'accompagner cette réflexion. C'est plutôt clair sur le fait que voilà, non, mais c'est chacun son rôle en effet, et ben c'est aussi une des pistes que nous on aborde sur Déclic Mobilité. L'employeur s'empare du sujet, met en place des mesures, souvent incitatives, pour rembourser un peu mieux les transports en commun pour ses collaborateurs, mieux communiquer sur l'accessibilité, mais c'est pas à elle d'aller payer une partie de l'exploitation d'une ligne de bus, c'est pas à elle en tout cas d'aller réaménager les pistes cyclables ou de les créer si elles n'existent pas, et c'est là où on a intérêt à travailler tous ensemble dans un écosystème, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Déclic Mobilité, où en fait dans notre public, donc il y a tous les Jérômes et les Benoît, et puis il y a Thierry de Keolis, et puis il y a Benoît de Lamel, et puis bon, ça fait deux Benoît. Et il y a des femmes aussi. Mais voilà, en tout cas, on essaye de travailler tous ensemble parce que les pouvoirs publics essaient d'aménager. On a quand même des stratégies, notamment pour une mobilité plus durable. Mais il y a toujours cette question de retour sur investissement, d'efficacité des voies. Et de savoir en fait que sur Villeneuve-d'Ascq, on a plusieurs acteurs qui s'engagent et qui ont envie de faire changer les choses, ça peut prioriser certains projets finalement, que ce soit, je parlais de pistes cyclables, de changement d'emplacement de bus, voilà, des choses comme ça finalement qui se font assez facilement. C'est d'autant plus important pour nous que tout ça aussi repose sur, je veux dire, une sorte de frustration aussi. Et là, je vais faire un peu d'histoire. Le musée a ouvert ses portes en 1984. On va fêter les 40 ans l'année prochaine. Le métro de Lille a ouvert, je crois, en 1983, si je me souviens bien. Et au départ, il était prévu que la ligne 1, donc la ligne jaune qui vous sert à la Pont-de-Bois, desserve le musée. C'était un projet... bon, ça n'a jamais été fait. Ils n'ont pas prolongé le métro jusqu'ici. Et ce qui fait qu'à un moment donné, cette histoire... génère aussi, du coup, cette réflexion est aussi un élément qui génère cette réflexion sur la question de la mobilité jusqu'au musée. Donc on essaie de trouver des alternatives, on en a trouvé pour les salariés, hein, puisqu'il y a tous les dispositifs que toutes les entreprises mettent en place, hein, comme dans n'importe quelle entreprise, on a la possibilité de se faire rembourser une partie de nos titres de transport, des choses comme ça. Et puis, il y a la mobilité des salariés aussi, je n'ai pas évoqué, dans le cadre de leur mission. Donc, le musée a décidé d'investir dans des véhicules électriques. On a remplacé, au moment où on a changé certains véhicules, on les a remplacés par des véhicules électriques. Et on a investi aussi dans un vélo électrique, de façon à ce que les salariés qui ont des rendez-vous sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq ou à proximité, puisqu'on peut... Je pense aussi à quelques communes qui sont proches. Hein. On peut aller jusque Fives ou Hellemmes, voilà, on puisse faire ce type de déplacement en mobilité douce. Voilà. Et alors du coup, c'est peut-être une question très bête, mais je préfère la poser. On parle beaucoup d'environnement, d'impact carbone, d'émissions de gaz à effet de serre. On n'a pas parlé de polluants aussi, mais en tout cas, voilà, quand on parle d'usage de la voiture en termes environnementaux, c'est quand même ces questions qui sont derrière, de qualité de l'air. Alors, à chaque fois que je regarde, j'ai la vision du parc et du coup, ça me fait mal au cœur de penser à la qualité de l'air qui se détériore. Voilà, mis à part l'impact environnemental des mobilités, est-ce que le fait de mettre en place des vélos à assistance électrique, des voitures électriques, etc., ça apporte d'autres avantages pour vous, pour les collaborateurs ? Alors, tu veux parler peut-être de la question de la conservation des œuvres. Nous, en tout cas, on n'a pas fait, on n'a pas constaté, en tout cas, a priori, d'impact important de la pollution automobile sur nos sculptures. Parce qu'on est dans une espèce de bulle verte qui fait que, alors je vais pas dire que ça nous passe autour, hein, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête pas à la frontière,
mais on a un environnement qui fluidifie les choses. Par contre, pour les musées de centre-ville, de la même manière que pour les bâtiments historiques, on a tous entendu un jour dans notre vie un monument historique, une église, un château qui était noirci par la pollution. Il est évident que pour les musées de centre-ville, qui souvent sont installés dans des bâtiments historiques ou qui ont des sculptures devant le Palais des Beaux-Arts, hein, vous avez une sculpture d'Eugène Dedaigne, on en retrouve dans le parc du musée ici. Il est évident que sur des questions de conservation des œuvres, c'est le changement d'habitude qu'il faut qu'on ait tous un jour sur nos pratiques de déplacement va avoir un impact. C'est-à-dire que ça nous facilitera le travail sur la conservation, sur la protection, surtout qu'on est sur des pollutions qui ont un impact assez fort sur des matériaux comme la pierre, comme le métal, etc., qui sont parfois très complexes à traiter en termes de conservation et de restauration. Donc c'est évident que pour nous, c'est une problématique hyper importante. Eh ben, on n'en avait pas discuté, mais c'est vrai que je n'avais pas vu de cette manière-là. Et moi, je pensais aussi, alors tout bêtement, à tout ce qui était des enjeux de qualité de vie, de bien-être, des humains qui ne sont pas coincés dans les bouchons. En tout cas, des choses qu'on nous dit, qu'on nous sort régulièrement. Et je reviens juste sur la question du métro. Alors, je ne connaissais pas l'anecdote. Et nous, alors, on a été créé par une entreprise qui est au pied du métro, qui s'appelle AG2R La Mondiale. Donc, quand je dis nous, on a été créé, c'est le projet Déclic Mobilité. C'est la première entreprise de la région Nord-Pas-de-Calais qui avait mis en place une stratégie de mobilité durable, un plan de mobilité entreprise. Et elle est à... Allez, il faut traverser la rue pour aller au travail. Là, pour le coup, c'est vrai. Elle est à 15 mètres, 20 mètres du métro. Et il y avait 10% de ses collaborateurs qui se déplaçaient en transport en commun pour s'y rendre. Donc, en fait, on voit que l'infrastructure, c'est nécessaire, c'est important. Mais en fait, ça ne fait pas tout. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui habitent un peu loin, qui ne sont pas desservies. Il y a des personnes qui ont aussi une organisation personnelle ou professionnelle qui va contraindre les modes de déplacement, en tout cas qui va contraindre le champ des possibles. Et nous, à travers les questions de management de la mobilité, on va vraiment s'intéresser au cas individuel, essayer de faire un petit peu des typologies de situations qu'on peut retrouver en fonction de l'emplacement de la localisation de l'entreprise ou de l'administration, en fonction de l'organisation du travail, en fonction des métiers, en fonction des lieux de domicile des collaborateurs et de la desserte en transport en commun. Et tout ça, en fait, finalement, ça va générer différentes solutions. Si on compare le LAM et le LAC, donc deux musées qui sont en bord de ville, donc à Villeneuve-d'Ascq et à Dunkerque, on n'aura pas forcément les mêmes solutions parce que l'un est implanté dans un territoire où les bus sont gratuits, et déjà ça va faire une différence. On n'a pas les mêmes conditions météorologiques, hein, on est à 80 km l'un de l'autre, mais quand on fait du vélo à Dunkerque, on a un petit peu plus de vent que peut-être à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, je prends juste des choses qui nous paraissent évidentes. On n'a pas la même culture, le rapport à la voiture. On n'a pas le même rapport au vert. Et donc, en fait, tout ça, finalement, va influencer, ce qui fait qu'on va, en fonction de tout ça, mettre en place un panel de solutions qui sera complètement adapté à la situation, aux envies, aux contraintes et aux moyens qu'on peut mettre en place. Tu disais, on n'est pas transporteur. On a des entreprises qui ont assez de collaborateurs pour générer des besoins de transport en commun spécifiques et qui financent des navettes entre les lieux de transport en commun principaux et le travail. Donc ça existe, mais c'est pas la seule solution. Non, c'est pas la seule solution. Et puis, nous, on a, en dehors des années Covid, entre 150 et 160 000 visiteurs par an. Donc c'est potentiellement un vivier pour développer un vrai plan de déplacement propre entre Lille et le musée, au sein de la métropole, autour du musée. C'est quelque chose d'important. Et sans oublier du coup le transport métier, votre cœur d'activité.
Le métier, le transport des œuvres. Oui. Oui, oui, transport des œuvres, c'est un sujet sur lequel on réfléchit aussi. Là, pour le coup, il y a des musées qui sont plus en avance que nous, parce qu'on a tous pris les choses sous un angle différent, mais je ne sais pas si dans la salle, vous avez fait l'expérience de, justement, l'expo, l'expérience Goya au Palais des Beaux-Arts. C'est une exposition qui naît aussi de la volonté, en tout cas dans sa forme, de ne pas faire venir d'œuvres par avion. Donc il a fallu imaginer des dispositifs pour traiter du travail de Goya, parler du travail de Goya et le montrer au public différemment. Donc il a été la dimension numérique qui pose d'autres problématiques en termes de, d'environnement, mais la dimension numérique a été privilégiée volontairement par le Palais des Beaux-Arts plutôt que de faire venir des œuvres de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, c'est une politique que le Palais des Beaux-Arts met en place depuis un certain temps. Et c'est mais la problématique de transport des œuvres est importante pour les musées. Entre les caisses de transport que vous devez construire pour protéger les œuvres pendant les transports, les conditions de transport, parfois vous avez une œuvre qui part, une petite œuvre qui part dans un très gros camion, donc ça fait un peu mal au cœur. Les règles, hein, c'est aussi quelque chose qui, de manière générale, dans les musées, est en train d'évoluer, c'est-à-dire que les règles de conservation, de manière générale, peuvent peut-être être, sur certains aspects en tout cas, revisitées pour répondre à la fois aux enjeux de conservation et aux enjeux de protection de l'environnement. Et aujourd'hui, nous, on en est convaincus ici, en tout cas, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que la conservation et les actions de conservation et de protection de la nature ne peuvent qu'être bénéfiques et contribuer à la protection des œuvres. On en est convaincus, on est en train de le voir, nous notamment sur le parc. Mais et évidemment, la question des émissions de gaz à effet de serre et des polluants impacte sur ces sujets. Je pense que tu as répondu à toutes les questions que je me posais. Merci en tout cas. Moi, sur ma présentation, alors j'avais fait quelque chose d'assez libre, voilà, sans images, sans diapo, aussi pour réagir par rapport à ce qui s'est dit cet après-midi. J'avoue que j'ai épuisé mes grandes pensées, si ce n'est une petite réaction qui me venait tout à l'heure en écoutant Jérôme Bell, c'est qu'en fait, j'avais l'impression d'entendre un DRH d'un grand groupe. Et c'est ça qui m'a marqué en fait, parce qu'il parlait de déléguer les tâches, il parlait de conduite du changement, de réorganisation du travail, de créer un réseau, de travailler sur la confiance, d'être moins sur la surveillance, etc., par rapport aux attentes du travail qu'on a, et plutôt de laisser les personnes autonomes et d'apporter leurs touches. Et en fait, ça, c'est des questions qu'on a beaucoup, alors sur la mobilité, mais sur la RSE de manière générale, notamment avant la Covid et avant l'avènement, l'obligation du télétravail, où beaucoup de DRH étaient réfractaires. Et ceux qui se lançaient, bah, finalement, ils avaient cette réflexion. Et c'était 2018-2019, donc c'est assez rigolo de voir finalement un artiste, un créateur, qui dit exactement la même chose que le DRH d'une antenne de banque. Mais qui est chef d'entreprise aussi, d'une certaine manière. Tout à fait. Mais voilà, donc je voulais un peu conclure mon intervention là-dessus, parce que ça m'a marqué, j'y avais pas pensé. Et je trouvais que c'était intéressant de voir vraiment cet aller-retour entre un monde que je vous dis, moi je connais pas, et finalement avec des témoignages qui ressemblent à beaucoup de choses que je peux entendre depuis 8 ans maintenant à côtoyer des dirigeants d'entreprises et des responsables RSE. Donc je vous remercie. Merci Lucille. Alors, avant de nous quitter, ce que je vous propose, en tout cas, vous avez la possibilité de rester pour un petit programme de vidéos d'art contemporain qu'on vous a préparé, qui dure à peu près 25 minutes, c'est ça ? À peu près ? 25 minutes, 30 minutes ?
Un programme de quatre vidéos d'artistes. Si vous êtes passé par l'accueil, vous avez dû récupérer le petit programme, sinon vous pourrez le récupérer en sortant. Des vidéos d'artistes qui font le lien entre les thématiques d'aujourd'hui, thématiques qu'on explorera aussi lors du prochain rendez-vous au mois de mars, toujours sur la mobilité, puisqu'on aura comme invité Michel Nedjar, qui est un artiste qui fait partie de la collection d'art brut du musée, Théo Hormond, Skipping, et Lena Dobrolowska, qui sont deux artistes anglo-polonais et qui parleront principalement qui sont des vidéastes et qui parleront de la question de la mobilité dans le cadre des grandes migrations et notamment aujourd'hui la mobilité des réfugiés, réfugiés climatiques, réfugiés politiques. On continuera à faire le lien sur cette question de la mobilité. Le programme de vidéos qu'on vous a préparé fait aussi le lien avec les ateliers qui ont eu lieu précédemment sur la question de la biodiversité. Puisque vous verrez que cette question de la mobilité, notamment dans un des films qui est assez beau, impacte directement la biodiversité. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous le 10 mars pour ceux qui le souhaitent, pour ce prochain rendez-vous, et je vous souhaite une bonne projection.